es précieux pour moi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient. Lorsqu'on parlera de l'agneau,
sujet nous fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom. 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 Au-dessus de tous les noms. Tu genou fléchira. Lorsqu'on parlera. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tu genou fléchira. Lorsqu'on parlera. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, la maladie va fléchir. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, oui, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, Jésus a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms, tous les nous fléchira. Nous fléchira. Tu parleras de l'agneau. Parlera de l'agneau. Tous les nous fléchira. Nous fléchira. Parlera. Encore une fois. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Lorsqu'on parlera, lorsqu'on parlera de l'agneau, la maladie va fléchir. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, 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 Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Psaumes, chapitre 41, au verset 2, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, et au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et il ne livre pas au bon plaisir. Il ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un faux langage. Il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Je crois ici, on voit comment David est en train de parler de celui qui est heureux parce qu'il s'intéresse aux pauvres, mais surtout parce que l'Éternel le délivre à l'instant de son malheur. Au lit de douleur, la Bible dit, l'Éternel le soutient. J'aimerais que ceci soit pratiquement ton attitude ce soir, en réalisant que maintenant, dans le temps que nous allons commencer, parce que nous apprêtons à finir pour commencer avec la parole et tout le reste,
je voudrais que tu puisses encore prendre un temps pour remercier ce Seigneur. Savoir que tu peux avoir des ennemis, comme David le dit dans ce verset que nous venons de lire au verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Que tu saches que malgré que tu as de l'opposition, David pouvait avoir des ennemis physiques, mais nous avons aussi des ennemis, que ce soit physique ou spirituel. Que tu saches qu'au bout de ce temps de prière, l'Éternel a réellement écouté ton cri. Comme il l'a dit dans Psaume 40, quand il disait « J'ai attendu patiemment, j'ai placé mon espérance en Dieu et il a entendu mon cri ». J'aimerais que ceci soit maintenant cette attitude que tu puisses maintenant avoir pendant le reste du moment que nous allons passer. Que tu remercies le Seigneur même pour les choses que tu n'as pas encore vues. Que tu commences à lui dire « Seigneur, je sais que ce que j'ai fait, le travail que j'ai eu à faire n'est pas en vain. La prière que j'étais adressée a été entendue. Elle n'a pas atterri sur des oreilles sourdes, mais elle a atterri dans les oreilles du roi des rois, celui qui a tout pouvoir entre ses mains. » Et j'aimerais que tu continues à louer le Seigneur. Donc élève ta voix là où tu te trouves, commence à lui dire merci. Commence à lui dire « Seigneur, j'ai crié à toi et tu as entendu mon cri. Et maintenant que je m'approche, je sais que tu vas me parler. Je m'approche de ton trône, je vais certainement te trouver. Tu vas te laisser trouver. Et les ennemis qui désirent ma mort, ceux qui désirent ma perte, seront confus. Que ceux-là soient plutôt ceux qui sont dans la disgrâce. Que ce soit plutôt eux qui soient confus. Élève ta voix, commençons à louer le Seigneur pour le reste du temps qui nous reste. Papa, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons parce que tu as été bon. Tu t'es manifesté, tu continues d'être avec nous et nous voulons te remercier. Nous voulons te dire, Seigneur, nous avons confiance en toi et nous savons que tu accompliras exactement ce que tu as dit, exactement ce que tu as dit que tu feras au nom de Jésus. Béni soit ton nom, 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 béni soit ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Pourquoi ça Satan? Amen. Amen. Alléluia. Oh, comme on a yo, ma sienne. Amen. Et ça l'anzetea, pio. Amen. La fandana qui m'a. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme on a yo, ma sienne. Amen. Et ça l'amopanga, mon aîné. Amen. Pourquoi ça Satan? Amen. Amen. Alléluia. Tangina bakisi a pharmacie, amen. Obiko epesanite, amen. Omona Yesu de libikina, amen. Alleluia. Akomwa libota na bikite, amen. Akomwa noko na bikite, amen. Sina bika na kombona Yesu, amen. Amen. Alleluia. Nakombo ali bota na bikite, amen. Nakombo yaya na bikite, amen. Asina biki na kombo na Yesu, amen. Amen. Alleluia. Oh, ekimelo nanga, amen. Ebo mamelo nanga, amen. Sinde yo mokonzi nanga, amen. Amen. Alleluia. Oh, ekimelo nanga, amen. Ebo mamelo nanga. Yo masia nanga, amen. Amen. Alleluia. Ah, sina linga kina beba e, la linga kina kufa e. Ose ku singa ya ya, amen. Amen. Alleluia. Oh, na linga kina beba e, la linga kina kufa e. Amen. O kango linga ya ya. Amen. Alleluia. Ah, to fanaki na kitina yo. Amen.
Soki oyo kinga ina sanzoli Otelemi po yamba yango Amen Ah soki omoni nga ina bitumba Omono ye otelemi Oza kozela na longa ende Kolo Yesu Ah si nalinga kina beba ye Nalinga kina kufa ye Ose kuisinga ya ya Amen. Alleluia. Ah, si la linga qui n'a beba, la linga qui n'a kufa, o kango linga, ya ya. Amen. Alleluia. Oh, amen, amen, paina yo. Mo santu yo saliza me. Si kanga ina sanzola yo. Amen. Oh, amen, amen, paina yo. Mo santu yo saliza me. Amen. Gaina yembela yo. Amen. Amen. Oh, alleluia, alleluia. Alléluia na Yesu Alléluia 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 na Yesu Oh Alléluia 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 na Yesu Alléluia 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 na Yesu Boya katoku misamo konzi Boazali elonga ya ya Alléluia 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 Boya katso yembela mokonzi Bo azali elonga ya ya Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu Yeya na mbuche ya na moi Toko bangelo kote Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu Yeya na mbuche ya na moi Toko bangelo kote Alleluia, Alleluia Boya katoku misamo konzi Ye azali elonga ya ya Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu Yende nzambe na nga nzambe na yo Zambe ya biso nyonsu Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu Yende nzambe na nga nzambe na yo Zambe ya biso nyonsu Alleluia, Alleluia Oh, yemba alleluia, yemba alleluia, yemba alleluia, yemba alleluia, oh, yemba alleluia, yemba alleluia, yemba alleluia, yemba alleluia, oh, yemba alleluia, yemba alleluia. Hosanna alleluia Hosanna alleluia Tuluka wenda majunda nzambi wange yoyo yo Ai kobola ikobola isabana wanyiwe yoyo yo Oh yemba alleluia Hosanna alleluia Oh yemba alleluia Yemba alleluia Oh yemba alleluia Oh yemba alleluia Oh yemba alleluia Hosanna alleluia Hosanna alleluia Hosanna alleluia Zambi watifulu tabutumisha bana waniwe yo 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 Zambi watifulu tabutumisha bana waniwe yo 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 Yei kobola ikobola isha bana waniwe yo 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 Hosanna alleluia 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 Oh Yahweh 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 Salah
Yahweh, Yahweh salalolenge, oh Yahweh salalolenge na yo, Yahweh, Yahweh, Yahweh salal, Yahweh, Yahweh salalolenge, Papa to sengi yo salalolenge na yo, Yahweh, Yahweh, Yahweh salal, Yahweh, Yahweh salalolenge. Na popo ya lilo sana lulenge na yo Yahweh 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 salal Yahweh Yahweh sana lulenge na yo U zambi nanga azako sala ye Zambi nanga azako sala ye Yahweh obogina lo U zambi nanga azako sala ye Oh, azako sala ye, Yahweh, Yahweh, abogina loku. Oh, posananga ezana mbona yo, posananga ezana mbona yo. Oh, namona yo Yesu, Yahweh, Yahweh, abogina loku. Oh, posananga ezana yo kayo, posananga ezana lobana yo kayo. Yahweh, Yahweh, abogina Oh, posananga ezana yo kayo, posananga ezana lobana yo kayo. Yahweh, Yahweh, abogina loku. Oh, yangana yo ekosuka wate, suka suka kino nakota kino lola e. Oh, elonga nanga yo kumama Yahweh. Yelunganga yo kumama Yahweh, Yahweh yo kumama. Makasinanga yo kumama Yahweh, Yahweh yo kumama. Yonesanga bomo inanga kumama lele, Yahweh yo kumama. Yone yelikananga kumama lele, Yahweh yo kumama. Oh, yelunganga yo kumama Yahweh, Yahweh yo kumama. Yelonga nanga yo kumama Yahweh, Yahweh oh Yahweh yo kumama, Yahweh yo kumama, Yahweh yo kumama, Yahweh yo oh Yahweh yo kumama, 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 nakumisana ni mosusu, Yahweh yo obele kaka yo nzambe nanga yo. Yahweh yo Nanetola nani mosusu Kaka yo bongi na masanjoli Yahweh yo Oh Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo Oh Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo Oh Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama Oh lelo tangwe koki tangwe kokiye Lelo tangwe koki, tangwe koki, tangwe koki. Papa semola loboko kitayo salara, tangwe sala. Papa semola loboko kitayo sala, tangwe sala. Papa tangwe koki, tangwe koki, tangwe koki. Papa tangwe koki, tangwe koki, tangwe koki. Oh ya ya ya, oh ya ya ya. Oh ya ya eh, oh ya ya eh, simola loboko ya ya, oh ya ya eh, simola loboko ya ya, oh ya ya eh, 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 oh ya ya eh. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Ma visite. Vous pouvez vous asseoir. Grande est ma joie. I'm so happy. D'être ici ce soir. To be here tonight. Ce vendredi. This Friday. Qui sera le dernier vendredi. The last Friday.
de ce moment de prière. Of this time of prayer. We are almost there. On est presque là. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur qui nous a soutenus? Can you put your hands together for God? Ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a soutenus. It wasn't easy, but the Lord held us. Certains d'entre nous ont se posé la question, are we gonna make it? We were wondering si on va y arriver. Are we gonna make it? Est-ce qu'on va y arriver? Même si les pantalons tombent, mais Dieu nous a soutenus. We've lost weight, but the Lord has supported us. I was wondering. Je me posais la question. Peut-être que je suis en train d'essayer des choses que nous ne devons pas essayer. Maybe I'm trying too hard. Ça n'a pas été une année facile. It wasn't an easy year. La dernière école de prière, j'étais malade. The last school of prayer was not well. L'avant-dernière école de prière, j'étais malade avant. The previous one as well, I was sick. À un moment, tu te poses des questions. Sometimes you wonder. Est-ce que ce n'est pas trop risqué? Isn't it too much asking? Mais malgré le vent des maladies, but despite the wind malgré les of attaques sickness, de l'ennemi, or the attack of le the Seigneur enemies, nous a gardés. The Lord kept us. Et ce soir, nous sommes tous là. And tonight we are all here. Aucun membre de l'église n'est mort. No one died in the church. Malgré tous ces vents, ces despite variants, all the waves and the storms, Dieu nous a gardés. The Lord has kept us. Ce soir, nous voulons dire merci au tonight Seigneur. Tonight we want to say thank you, God. Merci au Seigneur. Thank you, Lord. Malgré toutes ces choses, despite all we went through, Dieu s'est rassuré. God made sure que du 1er janvier jusqu'aujourd'hui, from the 1st January up until tu now, as payé ton loyer, you paid your rent, tes enfants ont mangé, your children ate, ils sont allés à l'école, they went to school. Dieu s'est rassuré. God made sure que tu sois en vie. That you are alive. C'est une raison pour dire merci. It's a reason to say thank you. Seigneur, nous voulons dire merci. Lord, we want to say thank you. Même quand on a fermé l'église, even when the church was closed, Dieu s'est rassuré. God made sure. Nous avons payé nos factures. We pay our bills. Nous n'avons aucune dette. We don't have any debt. C'est une raison pour dire merci au Seigneur. It's a reason for us to say thank you. Dieu s'est rassuré. God made sure. Que même certains d'entre vous qui étaient malades, even those that were sick, Dieu s'est rassuré. God made sure. Qu'aucun de vous ne meurt. None of you died. Quand je vois Papa Alphonse, I remember Papa Alphonse, je suis dans la joie. I'm happy. Je me souviens quand il était à l'hôpital. When he was in the hospital. Après que son médecin lui a dit tout ce qu'on devait lui dire. After he received all the reports of the doctor. Il m'envoie son numéro d'assurance vie. He sent me his assurance life number. Je dis, Papa, ça veut dire quoi quand tu me donnes so ça? So what does it mean when you give me that? Donc, just have it. Jusque garde ça. Même lorsque nous-mêmes nous avons douté, even when we doubted ourselves, Dieu s'est rassuré. God made sure qu'il nous garde en vie. That he kept us parce alive. Que de choses glorieuses because glorious ont été dites sur nous. Have been said about j'aime us. Ce Dieu-là. I love this God. J'aime ce Dieu-là. I love this God. J'aime ce Dieu-là. Love God. Je suis dans la joie ce soir. I'm happy tonight. Quand je vois certains qui viennent de Johannesburg, I saw people coming from Johannesburg. Dieu nous a même amené notre sœur de Kinshasa qui even est là. A sister from Kinshasa came. Tanya a un témoignage vivant. She has a living testimony. She's a cancer survivor. She's a cancer survivor. And elle a un témoignage vivant. She has a living testimony de la puissance de Dieu. Of the power of God. Et quand je la vois en bonne santé, when we see her in good health, je peux dire que Dieu existe. We can say God is alive. Dieu existe. God is real. Dieu existe. God is real. Dieu est grand. God is big. Servons ce Dieu-là. Let's serve that God. Enseignons nos enfants let's teach our children à servir ce Dieu. To serve such a il God. Est un Dieu vivant. He's a living God. Peut-être pour quelqu'un d'autre. Maybe for somebody else. Cela peut ne pas être un témoignage. Maybe it's not a testimony. Mais pour nous. But for us, quand nous regardons ce qu'il a fait pour nous, look at what the Lord has done, nous ne pouvons que lui dire un grand merci. We can only say thank you, God. Dans une saison comme celle-ci, such a season, quand je regarde les factures de l'église, when I look at the bills,
Quand je regarde d'autres qui ont perdu leur travail, I look at other people that lost their jobs. Mais Dieu se rassurait. But God made sure. Même quand on est dans le confinement, even when we are in lockdown, que nous ne manquons de rien, that we don't lack anything. J'aimerais dire merci à ce Dieu. I want to say thank you to God. Quand je vois Papa Corneille, I see Papa Corneille. Papa Corneille avait un flou qui ne finissait pas. He had a flu that didn't finish. Et on va le voir dans sa chambre. We go see him in his bedroom. Je le trouve papa et maman dans le lit en train de trembler. I see both of them shaking. Trembler très fort. They're shaking very hard. On les amène à l'hôpital. We take them to the hospital. Directement dans les oxygènes. They're with oxygen. On dit qu'ils ont le COVID. They say they have COVID. Je regarde leur âge. I look at their age. Je regarde maman. I look at maman. Je dis Seigneur, c'est quoi? I say Lord, what's happening? Son fils malade COVID. The son sick as well in the hospital. Ma petite sœur qui a épousé Daniel, elle m'appelle un soir, je n'arrive pas à respirer. Que je fasse quoi? So what are we going to do? Elle a le COVID. Que je fasse quoi? They had COVID. What am I going to do? Mais ce soir, ils sont tous là. But tonight they're all here. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. God is good. Cela n'est pas un hasard. It's not by hazard. Cela n'est pas un hasard. It's not by hazard. Cela n'est pas la chance. It's not chance. Si Dieu n'a pas été avec nous, if the Lord was not with us, s'il n'a pas été avec nous, if the Lord was not le with COVID us, aurait pu finir l'église. COVID could have taken out a lot of people. J'aime Jésus. I love Jesus. J'aime Jésus. I love Jesus. J'aime Jésus. I love Jesus. C'est pourquoi je peux dire comme David. That's why I can say like David. Le Dieu qui m'a gardé du COVID. The Lord that kept me away from COVID. Le Dieu qui m'a gardé. The Lord that kept me. Depuis 2020. Since 2020. J'ai vu des riches tomber. I saw the mighty. J'ai vu des médecins mourir. The doctors dying. J'ai vu des politiciens mourir. I see politicians dying. Je ne sais pas comment moi je suis là. I don't know how I escaped. Un collègue à moi. One of my colleagues. Un jeune. Very young. COVID positif. He was COVID positive. Il va à l'hôpital. Go to the hospital. On dit isole-toi seulement à la maison. They say just isolate yourself. Parce qu'il n'avait pas de signes because graves. Because he did not have big symptoms. Il est là, il se réveille le matin. He woke up in the morning. Il était normal. He was normal. Il va se laver. He go take a bath. Il tombe dans la baignoire. Fell in the bathroom. Gone. Et il est parti. Très jeune. Very young. Ce sont des gens avec qui on était comme ça. People that I deal with every day. Mais quand je vois les gens comme les Joëlie, I see people like Maman Joëlie, son mari et elle positifs, her husband and herself positive, mais Dieu les a gardés. But God has kept them. Dieu a gardé nos enfants. God has kept our children. Je me souviens au début du COVID, I remember the beginning of COVID. Il nous avait donné une parole. He gave us a word. Il dit aucun de ceux qui naviguent avec vous none of the one that traveling ne va with tomber you will perish. Et Dieu a honoré sa parole. And God has honored his est-ce word. Que nous pouvons acclamer ce Dieu là? Can you put your hands together for est-ce God? Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu là? Can you put your hands together for God? Il y a des gens qui sont ici. There are people sitting. Ils ne peuvent pas m'expliquer. They cannot explain comment to me ils ont vécu depuis janvier. How they live jusqu'à présent. Up until now. Sans travail fixe. Without a stable job. Sans contrat fixe. Without a stable contrat. Mais Jéhovah s'est rassuré. Made sure que les enfants mangent. That the children que le loyer soit payé. The rents are being paid. Oh, bakase makarabareche. Sharabaria sedabare kariyarabare she makarabare bayembela kamokonzi ndenge nene hallelujah bakumi sakaye ndenge nini yes lord rabakosheya merci seigneur thank you lord bien-aimé dans le seigneur my beloved in the lord mon oreille avait entendu parler de my lui my ears have heard about mais j'ai vu le seigneur now I've seen the lord j'ai vu sa fidélité I've seen his faithfulness même dans les moments les plus compliqués even in during tough times j'ai vu des grands fermer leur business I've seen the great closing down j'ai vu des grands business s'écrouler I saw great business falling apart mais Dieu s'est rassuré but the lord made sure que nous soyons toujours that là we are still here. J'ai vu des églises fermées. I saw churches being closed. Je connais beaucoup de pasteurs. I know a lot of pastors. Les églises ont fermé. The church has closed. Parce qu'ils savent pas payer.
Because I couldn't pay. Parce qu'ils ont des dettes. They have debts. Mais entre temps, nos factures ne faisaient que monter. But meanwhile, our bills were going high. Quand ça montait, the way it was going la grâce high, de Dieu aussi montait. The grace as well was rising. J'ai vu le Seigneur. I've seen the Lord. J'aimerais te dire une chose. I want to tell you. Les choses glorieuses glorious ont été dites sur toi. Have been said about you. Je te dis la vérité. Telling you the truth. Si je dois donner le micro aux gens ici, if I have to give microphones, il y a des people, gens, there are people, quand ils regardent leurs dépenses, when they look at their spending, c'est au-dessus de leur salaire. It's beyond their salary. Ils ne savent pas expliquer. They cannot explain comment chaque mois, how come every month, ils arrivent à finir le mois. They are finishing parce up que the ce month, qu'on leur paye, because what they're earning, et les besoins qu'ils ont, and the needs they have, la différence est comme ça. The difference is quite high. Il y a des gens qui ont vu le Seigneur. There are people who have experienced pendant the Lord cette année. During this year. Il y a des gens qui ont vu Dieu. People have experienced God. Il y a des gens qui ont vu Dieu. People have seen God. Dieu existe. God exists. Dieu existe. God exists. Avant que tu ne meures, before you die, tu verras la gloire de you Dieu. You see the glory of God. Tu verras la gloire de Dieu. You see the glory of God. J'aimerais finir cette semaine en disant, I want to close this week by ça vaut la peine de servir ce Dieu là. Yeah, you need to serve God. Ça vaut la peine de servir ce it Dieu. It does matter to serve God. J'aimerais t'encourager. I want to encourage peu you. Peu importe là où tu es. Wherever you are. Comme David a dit. Like David j'ai said. J'ai été jeune. I was young. Je vieillis. I'm old. Je n'ai pas vu un seul juste. I've never seen a righteous. Je n'ai pas vu un seul. I've never seen one qui righteous. Qui a été abandonné. Being forsaken. Je suis venu I mean, I tell Dieu you, ne t'abandonnera pas. God will never forsake. Serve Dieu. Serve God. Peu importe le prix. No matter the price. Dieu ne t'abandonnera pas. God will never forsake. Dieu ne nous abandonnera pas. God will not forsake us. Tu verras la main de Dieu. You will experience God's hand. Il prendra soin de toi. The Lord will take care of you. Il prendra soin de tes He'll enfants. Take care of your children. C'est pourquoi Joseph, that's why Joseph, avant de mourir, before he could die, il dit à à sa famille, he says to his family, il dit, je vais mourir, I'm about to die, mais je sais une chose, but I know one thing, je vous visiterai. God will visit you. Il dit, je sais une chose, you see, I know one même thing, si je meurs, even if I die, Dieu vous visitera. God will visit you. Je suis venu te dire, I mean, I'll tell ça you, peut prendre le temps, it may take long, mais Dieu finira par te God visiter. Will always visit his people. Il savait de quoi il parlait. He knew what he was talking about. C'était parmi ses dernières paroles. It was one of his last words. Joseph, Joseph, c'est l'une des personnes, one of the people, qui a vécu la fidélité who have experienced God's faithfulness. Et si vous allez remarquer, and if you notice closely, pendant toute cette période, around, among, during this time, de 21 jours, of 21 days, l'exemple de Joseph ne faisait que revenir. The story of Joseph keep on coming back. Dans beaucoup de messages, in a lot of messages shared here. Tu sais pourquoi? You know why? Tu peux t'identifier à la vie de because Joseph. Because you may identify yourself to his life. Joseph était un étranger. Joseph was a foreigner. Il a vécu la grâce de Dieu. He went through the grace. Il a vécu la fidélité de he Dieu. He experienced God's faithfulness. Dans une terre étrangère. In a foreign land. Tu sais, des fois, quand tu es sur ton terrain, when you are in your own land, tu peux te dire place, c'est à cause de mon cousin que je connais. You can say because of my cousin that c'est I'm à cause de ma tante que je connais. Or because of my aunt that I'm acquainted. J'ai vu Dieu bénir quelqu'un. I see God blessing someone qui n'a ni connexion. Who has no connections qui n'a at all. Ni oncle. No uncle. Qui n'a ni papa. No father. Qui n'a ni maman. No mother. Qui n'a ni frère. No brothers. Qui n'a ni ami. No friends. Tu me permets de te donner cette belle histoire? You allow me to share this story. Il y avait un homme, there was a man qui était à la piscine de Bethesda, at the pool of Bethesda. La Bible dit, the Bible says, cet homme y est allé, the man went there parce qu'il avait appris, because he heard qu'à cette piscine, that at this pool il y avait un ange qui there was an angel falling coming et il a jeté de l'eau, and shaking the water. C'est lui qui s'est jeté le the premier, one that threw himself the first c'est lui-là était guéri. Will be healed. Peu importe sa maladie. No matter the sickness. Le jour il est tombé malade. The day he was sick. Il s'est dit moi aussi je he vais said, aller. Let me go there. Parce que j'ai appris. Because I heard. Qu'à cette piscine,
piscine, that at that pool, il y a un ange qui descend. There is an angel that comes. Il est allé, he went, espérant aussi qu'il allait vivre, hoping to experience, c'est que tout le monde vivait what là-bas. Everybody experienced. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Tonight, I want to speak to someone. Il est peut-être allé dans la maison du Seigneur. Maybe you went to the house of parce God. Qu'il avait appris, because you heard, que Dieu pouvait lui donner that la God solution. Can give him a solution. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, when he got there, cet homme a réellement vu ces choses. Really saw those things. Il a vu l'ange descendre. He saw the angel falling. Il a vu quelqu'un se jeter. He saw somebody throwing himself. Et il a vu quelqu'un être guéri. And he saw somebody being healed. Donc là où il était, so where he was, il ne pouvait pas douter. He could never doubt que à cette piscine, that at this pool, il y avait la guérison. Healing was there. Mais le problème était, but the issue was, pendant 38 ans, so for 38 years, il a vu ces choses de loin. He saw those things by far. Il a vu ces choses de loin. He saw them by far. Ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un. Tonight, I want to speak to someone. Oui, il a vu Dieu bénir. You saw God blessing. Il a vu Dieu guérir. You saw God healing. Il a vu Dieu changer la you vie des gens. You saw God changing people's mais lui-même, mind. Il n'a jamais but vécu himself, ça. But himself, never experienced it. Ce soir, il est venu pour tonight, lui. Tonight, I'm here to tell you. Il est venu pour cette personne. He came for that person. La Bible dit. The Bible says. Il était là. He was there. Il s'est jeté à l'eau. Throwing himself in il the était water. Toujours le dernier. He was always the last. Il y a des gens qui venaient après lui. The people coming after il him. Ils se jetaient alors. They threw themselves ils in the water. Guéris. They were healed. Hamaru se kamaru sheke. Tout ce que Dieu fait. All that God does. Est parfait. It's perfect. Tu veux que je te donne la bonne nouvelle? You know, I want to share the good news. Toutes ces personnes qui se sont jetées all those people that threw themselves in the et water qui ont été guéris, and they were healed. Aucun d'entre eux none of them a été mentionné dans les Écritures. Was mentioned in the book. La personne qui a été mentionnée the one dans les mentioned Écritures in the book qui nous inspire ce soir was telling us, sharing c'est celui the story. Qui pendant 38 ans is the one who for 38 avait comme l'impression que Dieu ne l'aimait pas like God did not love avait him. Comme l'impression que Dieu ne le connaissait like God pas does not know him. Mais ce jour-là ils étaient nombreux à la piscine there were a lot at the pool. Jésus entre à la piscine Jesus entered in the pool. Il n'était pas le seul malade he was not the only one sick. Il y en avait beaucoup there were a lot. Il va directement he vers lui straight to him. Il y a un jour there is a day where God will come towards il viendra spécialement you. He will come pour toi. Specifically ce for you. Soir, le Seigneur tonight, est là. The Lord is il here. Vient pour toi. He's coming for you. Il n'est pas venu pour he tous les malades. For every il est venu sick. Pour toi. He only came for you. Il pose la question au monsieur. He asked the question to the sick. Qui était couché? Who was laying there? Veux-tu être guéri? Do you want to be made whole? Écoute sa réponse. Listen to his answer. Il dit, je n'ai personne. He said, I have no one. Nous vivons dans une société. We're living in a society. Où quand tu n'as personne. When you have no one. Des fois c'est compliqué. It becomes complicated. Des fois tu as besoin d'avoir quelqu'un. Sometimes you need someone. Pour avoir les papiers. To get good papers. Tu as besoin d'avoir quelqu'un. You need to have someone. Pour avoir le travail. To have a job. Tu as besoin d'avoir quelqu'un. You need to have certain pour relationship. Pour avoir la connexion. To have the right connections. Et d'ici je suis ici. You say if I'm here. Pendant 38 ans. For 38 years. C'est parce que je n'ai personne. Because I have no one. Pour me jeter à l'eau. To throw me in the water. Quand l'eau était agitée. When the water has been shaken. Le système a été conçu the system was built pour que quand l'ange est agité, so when the water is agitated, que les gens se jettent eux-mêmes. People need to be thrown mais by themselves. Mais tellement que l'homme est intelligent. But because the man is intelligent, ceux qui avaient des frères, those who had brothers, ceux qui avaient des amis, those who had friends, leurs amis qui étaient bien portants, commençaient à les jeter. Was throwing them. Parce que quand tu es malade, tu es because fatigué. Because when you are sick, you are tu tired. N'as pas la force de you te don't jeter. Have the strength to et throw yourself. Et c'était fort aider les malades. And the strength, the strong et quand was happy. Personne pour when you te have jeter, no one to throw you, tu vas rester you là. Will remain there. Je suis venu parler à quelqu'un to talk to qui n'a personne pour le jeter no à l'eau. One to throw him je in suis the water. Venu parler à quelqu'un to talk to qui n'a personne pour le pistonner. No one to push ce soir, ce n'est pas un ange. Tonight, it's not an lui-même angel est venu. By himself, oh, les autres attendaient l'ange. The others were expecting mais the c'est angels. Lui qui dormait but là the one was sleeping pendant 38 for ans. 38 years, ce n'était pas un ange was not an angel. Qui est venu à lui. An angel that came Jésus to him. Jesus himself venu à lui. Came toward him. Dieu a vu. God have seen. Et ta situation a pris longtemps. That your situation has taken long. Ce soir lui-même il est venu. Tonight himself has come. Quelqu'un verra le Seigneur. Someone will see the Lord. Ce soir. Tonight. Quelqu'un verra le someone Seigneur. Will see God. Quelqu'un verra Jésus. You will see Jesus. Quelqu'un verra Jésus. You will see Jesus. Il est entré. He came. Il est allé
tout droit vers lui. He went straight to him. Il dit, je n'ai personne. He said, I have no one pour me jeter à l'eau. To throw me in the water. Quand l'eau est agitée. When the water was shaking. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. I have a good news for someone. C'est vrai que tu n'as personne. Yes, you have no one. Mais le Seigneur est venu t'aider. But the Lord has come to help. Dieu va t'aider. God will help you. Dieu va t'aider. God will help dans cette situation compliquée. In that complicated situation. Jésus est venu t'aider. Jesus ce soir. Has come to help you. Il dit, je n'ai personne. He said, I have no one pour me jeter à l'eau. To throw me in the water. Un jour, il m'a dit, one day he told me, je suis le Dieu I am God de ceux qui n'ont personne. Of the people have no y a-t-il one. Quelqu'un ce soir is someone tonight qui est dans une position you are in a situation où tu n'as personne where you have no one pour t'aider to help you. Personne no one pour payer pour toi. To pay for you. Personne no one pour te donner la solution. To give you a solution. Il est le Dieu he is the God de ceux qui n'ont personne of those dans la who vie. Have no one in life. Les gens qui devaient l'aider n'étaient plus people là. People that were supposed to help me were to help him were no longer. Peut-être qu'ils étaient là. Maybe they were there. Mais personne peut rester avec toi 38 ans. Nobody will stay by yourself for 38 years. À un niveau, ils vont te laisser. At a certain level, they will leave. Mais il y a une personne. But there is someone qui ne t'abandonnera who pas. Will never forsake you. Après 38 ans. After 38 years. Dieu dit. Jesus said. Il God pouvait said, être guéri. He could have been healed à la piscine comme tout at le monde. The pool just like everybody. Mais après 38 ans, but after 38 s'il years, était guéri comme tout le monde, if was healed like everybody, cela n'allait pas être extraordinaire. That could have never been out of the ça ordinary. Allait être une histoire normale. Could have been a normal story. Parce que les gens étaient guéris là-bas because chaque jour. People were being healed there every day. Mais dit parce que ta situation a duré, but because your situation took je long, viendrai moi-même I'm coming myself pour rendre ton histoire to make your story great, un témoignage to make it a living qui sera partagé that will be shared dans les années, from generations dans les générations, to generations. On parlera de toi. Talk about parce your story, que malgré cela, because despite il that, est resté à la piscine. You remain at the pool. Il n'est pas sorti de la piscine. He did not depart from il the est resté pool. Là. He stayed at the quand pool. Bien même ça n'a pas marché, even if he did not il work, est resté à la he piscine. Stayed at the pool. Je suis en train de voir quelqu'un I'm seeing someone qui est resté attaché à Dieu. You stayed attached to God. Malgré que les choses n'ont even pas marché things did not work, comme il est souhaité, the way you wished, il est resté à la piscine. You remain at the pool. Ce soir, tonight, il va te visiter. He will visit you. Il va te visiter. God will visit you. Écoute ce que Dieu me dit. Listen to what God is saying. Dans les jours qui viennent, in days to come, tu verras le Seigneur. You see God. Tu reviendras ici. You come back en pleurant. With tears. Et tu diras. And you say. Il y a un Dieu dans cette maison. There is God in this house. Il y a des gens qui sentent déjà. That people already feeling. Les douleurs de l'enfantement. The contractions. Très bientôt. Very soon. Quelqu'un donnera naissance. You give birth. À son Samuel. To your Samuel. Très bientôt. Very soon. Quelqu'un donnera naissance. Someone will give birth à son Samuel. To his Samuel. Quelqu'un viendra ici. Someone will come here. Et il nous dira. And will tell us. C'était pour ce travail. It was for this job. Que j'étais en train de prier. That I was praying. C'était pour cet enfant. It was for this child. Que j'étais en train de prier. That I was praying. C'était pour ce voyage. It was for this trip. Que j'étais en train de prier. That I was praying. C'était pour ce mariage. It was for this marriage. Que j'étais en train de prier. That I was praying. Nous servons un Dieu fidèle. You're serving a faithful God. Ce soir, j'aimerais t'encourager. Tonight, I want to encourage you. La Bible dit ceci. The Bible say. J'aimerais le lire. I want to read. Dans les livres de Romains. Romans. Et puis Dieu va nous aider à prier. The Lord will help us to pray. Romains chapitre 8. Romans chapter 8. Verset 28. Verse 28. Romains 8, 28. Romans 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. And we know that all things work together for good to those who love God. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. To those who are called according to his purpose. Car ceux qu'il a connus d'avance. For
whom he foreknew, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, to be conformed to the image of his son, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, that he might be the firstborn among many brethren. Et ce qu'il a prédestiné, whoever, whom he has predestined, il les a aussi appelés, these he also called. Et ce qu'il a appelé, whom he called, il les a aussi justifiés, these he also justified. Et ce qu'il a justifié, and whom he justified, il les a aussi glorifiés, these he also glorified. Tu vois ce qui sera ta fin. You see how your end will be like. Jean chapitre 17. John 17. La Bible dit ceci. The Bible says. Ce qu'il a appelé. Those he called. Dieu nous a prédestinés. God has predestined. À vivre la même vie que Jésus-Christ. To live the same life as Jesus Christ. Quand tu lis Jean chapitre 17. When you read John 17. Jésus finit sa mission. Jesus finishes mission. Il dit à son père. He said to his father. Il dit, Père, l'heure est venue. Lord, God, the time has come. Maintenant glorifie ton fils. Glorify your son. Mais avant qu'il ne dise cela, but before he could say that, il a connu beaucoup de choses. He went through a lot. Il a eu un parcours. He had a journey. Mais à la fin de son parcours, but at the end of his journey, il dit, l'heure est venue. He said, now the time maintenant has come. Glorifie-moi. Glorify your son. Romains nous dit, Romans is saying, ce qu'il a connu d'avance, the one he foreknew, il les a prédestinés, he predestined, à ressembler à l'image to be de son fils, conformed to the image of his son. Et ceux-là, and those il a prédestinés, that he predestined, il les a appelés, he called, et ce qu'il a appelé, and the one he called, il les a justifiés, he justified, et ce qu'il a justifié, and the one he justified, il les a glorifiés, he glorified. Dieu te glorifiera, God will glorify you. Il ne te laissera pas en chemin, he won't leave you in a journey. À la fin de cette histoire, at the end of this story, tu verras la gloire de Dieu. You see the glory of God. 38 ans à la piscine. 38 years at the pool. Les gens l'ont oublié. People forgot him. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. But God did not forget him. Jésus est venu vers lui. Jesus came toward il ne him. Connaissait même pas Jésus. He did not even know Jesus. Il ne savait même pas qui il était. He was not even aware of his existence. Mais Jésus connaissait son état. But Jesus knew his state. Jésus connaissait son problème. Jesus knew his issue. Dieu connaît ton problème. God knows your state. Tu verras issue. La gloire de you Dieu. You will experience God. Tout ce glory. Que je te demande. Everything is asking. Même you. Quand tu es mal. Even when you are in pain. Reste dans la maison. Remain de in Dieu. The house. Reste dans la présence. Remain de in God's presence. Peut-être qu'il y avait des jours. Maybe there were days. Où cet homme se disait. Where this man was ça saying. Ça fait 38 ans que je suis I've ici. I've been here 38 years. Rien ne marche. Nothing is working. Faut mieux que je rentre rather chez moi. For me to go back home. Mais quelque chose lui disait. But something kept reste on telling là. Him. Remain here. Ce soir, je suis venu dire à tonight quelqu'un, I'm here to tell reste someone, là. Remain. Dieu viendra te chercher. God will come and fetch you. Reste là. Remain where you il are. Il viendra te visiter. He will come towards you. Amen. Ça fait des années. It's been years. Est-ce que c'était une bonne décision? Was it a good decision? De venir à cette piscine. To come at this pool. Est-ce que c'était une bonne décision? Was it a good decision? Je vois les gens être guéris. I see people being mais healed. Moi, je ne suis jamais guéri. But I've never been healed. Je vois les gens heureux. I see people moi, happy. Moi, je n'ai jamais connu. I've never knew ce bonheur que nous prêche. The happiness. Reste shared là. Here. Remain here. Il te visitera. God will visit you. Reste là. Stay. Peut-être que je dois changer d'église. Maybe I need to change church. Peut-être que je dois changer de religion. Maybe I need to change a religion. Reste là. Remain there. Il viendra te visiter. He'll come and visit you. Ces jours-là. That day. Il y avait beaucoup de malades. There was a lot of sick. Mais il n'a guéri qu'un seul. He only malade. Healed one. Et puis il est rentré chez then lui. Then he went back. Il y a un jour and one day, où Dieu laissera tous les autres malades. God will leave behind everybody et se focalisera else ta and maladie. Only focus on your case. Il y a un jour there is a day où il laissera tous les autres malades. Where he leave behind all the sick. Il se tournera vers and toi. Will turn only upon et ce you. Jour-là, and on that day, ta vie ne sera plus your jamais la même. Never be the same. On parlera de toi they'll talk about dans you ta génération. In your generation. Les hommes men et les femmes and women, lorsqu'on parlera when they'll talk de l'évangile de Christ, of the gospel of Christ, on citera ton histoire. Your story will be mentioned. Ton histoire édifiera your story quelqu'un will strengthen somebody else. Ton histoire donnera la force your à quelqu'un story d'autre. Will give the strength to somebody else. Reste là. Just stay there. Ne bouge pas. Don't move. C'est pourquoi Job pouvait dire. That's what Job could say. Même si je le vois pas. Even if my eyes don't ma see cause him, est devant lui. My case is at his feet. Jésus le dit. Jesus said, veux-tu être guéri? Do you want to be made whole? Il dit, je n'ai personne. He said, I have no one. Dieu te bénira. God will bless you. Dans un pays étranger. In a foreign land. Là où tu ne connais personne. Where you know no one.
Là où tu ne connais personne. Where you know no one. Les gens vont te regarder. People will look at you. Ils vont poser la question. They'll wonder. Comment tu es arrivé là-bas? How did you get there? Et toi et eux. You and them. Vous n'aurez pas de réponse. You won't have any answer. Dieu va le faire. God will do it. Le avant-hier quand on a prié pour le problème des papiers. When we pray about papers, je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas de bons papiers. Just noticed that a lot of people don't have good papers. Cette chose m'a fait très mal. I was really touched. Et j'ai dit à Dieu. And I said to God. Il nous sera difficile. It will be difficult. De conquérir ce pays. To win this land. Si nous n'avons pas de bons papiers. If we don't have good papers. Tout ce que nous sommes en train de déclarer. All that we are declaring. Nous devons commencer par là. We need to start from there. Et ce jour-là, je priais Dieu. And that day I prayed. Qu'il te donne les meilleurs papiers de ce pays. May he give you the best papers in this land. Et je le crois de tout mon cœur. And I believe it with all my heart. Chaque jour. Every day. Dieu donnera à quelqu'un. God will give someone. Des bons papiers dans ce pays. Good papers in this land. Je le répète encore. I repeat it. L'une des choses que Dieu va faire. One of the things God will do. Avant la fin de ces moments de prière. Before the end of this time of prayer. Il va commencer à donner. We'll start giving. Le meilleur papier de good ces papers. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud. When I came in South Africa. Il m'a donné une promesse. He gave me a promise. Ésaïe. Isaiah. Je vais le lire. I'll read. Ésaïe 1er verset 19. Isaiah chapter 1. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Je me souviens, j'étais à Pretorianov. I remember I was in Pretorianov. Où j'étais en train d'habiter. Where I was staying. Dans la maison de mon oncle. In the house of my uncle. Je venais à peine d'arriver. I just arrived. Je me posais beaucoup de questions. I had so many questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Was it a good idea? Est-ce que je me suis pas embrouillé? Did I not? Est-ce que j'ai bien réfléchi? Did I think well? Pendant que j'ai prié, while I was praying, Dieu m'a donné ce verset. God gave me this verse. Il m'a dit si tu as de la bonne volonté, say if you are willing, et si tu es docile, and obedient, si tu es obéissant, if you are obedient, je te donnerai. I'll give you le meilleur production, the good products, le meilleur produit, the good products de ce pays, of this land. J'ai cru en cette parole. I believed in that word. Je me suis attaché à cette parole. I remained parole. Attached to that word. Ce soir, tonight, j'aimerais te donner cette parole. I want to share this word. Attache-toi à elle. Remain attached to this word. Si tu es sérieux avec Dieu, if you are serious with God, le Dieu que je te prêche, the God that I'm preaching, il te donnera le meilleur produit de ce pays. Give you the best product. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Ce pays, this land, est rempli d'opportunités. Full of opportunities. Si Dieu te fait grâce, if God grant you grace, d'avoir accès, to have access, aux meilleurs produits de ce to pays, to the best product of this land. Ce pays, this land, peut être un petit paradis pour toi. Can be a small paradise for you. Tu ne vas rien envier. You won't envy anything. Ceux qui ont eu la grâce de voyager dans d'autres pays. Those who have the grace to travel in other countries. Quand tu reviens ici, when you come back, tu te rends compte, you find out, que ces gens ne savent pas ce que Dieu les a donné. These people don't know what God has given them. Ils ont un bon climat. They've got a good climate. Ils ont des infrastructures top class. Good infrastructures, top class. Ils ont des systèmes bancaires qui n'ont rien à envier aux autres systèmes bancaires. They have a good banking system, not to envy anybody else in the world. Mais le problème, now, the problem, c'est un système fermé. It's a closed system. C'est un système, it's a system qui ne donne pas accès à tout le monde. Does not give access to everybody. Et surtout pas aux étrangers. Especially to foreigners. Quand tu n'as pas les papiers, if you don't have good papers, le système te sera fermé. The system will be shut. Ça sera comme un Jéricho. It's gonna be like Jericho. Fermé et barricadé. Closed and shut. La Bible dit Jéricho était fermé. Jericho was closed et barricadé. And shut. Personne n'y entrait. Nobody was getting personne in. N'y sortait. Nobody going out. Mais Dieu dit à Josué. But God said to Joshua. Vois Jéricho entre tes mains. See Joshua in your hand.
Dieu te donnera le meilleur papier. God will give you the best papers. Je le déclare encore. I declare it again. Dieu va le faire. God will do it. J'ai un témoignage dans ce domaine. I've got a testimony in that area. J'ai vu Dieu le faire. I've seen God doing it. Quand je me suis marié, when we got married, un jour je priais. One day he prayed. C'était en 2009. 2009. C'était le jour de mon anniversaire. On my birthday, 12 June. À l'époque, j'avais fait ma demande de résidence. We applied for the PR. J'étais dans ma chambre. In the bedroom. J'étais en train de prier. I was praying. Et j'ai dit à Dieu. And I said to God. La Bible dit. The Bible says, si méchant que vous êtes, as wicked as you are, vous donnez de bonnes choses à vos you enfants. Give the good things to your children. À combien plus forte raison, how much more, votre Père qui est dans les cieux, your heavenly Father, ne donnera-t-il pas de bonnes choses, will not give you the best, à ses enfants qui lui demandent, to his children that are asking. Alors j'ai dit à Dieu, so I c'était le jour God, de mon anniversaire, so it was on my birthday. J'ai dit, les hommes sont en train de me donner des cadeaux, I said, people are giving me gifts, le jour de mon anniversaire, on my birthday. Pourquoi toi qui es mon père, how come you, ne peux-tu father, pas me donner un cadeau can't aujourd'hui? You give me a gift? Et j'ai fait cette prière. And I made that prayer. J'ai dit, si tu m'entends, I say, if you listen to je me, veux qu'en ce jour, I want in this tu day, me donnes la résidence permanente give me my PR de ce pays. Of this land. J'ai fait ma prière. I made the prayer. Et c'était fini. It was closed. 2 mois après, 2 months later, ma résidence sort. The PR comes out. Quand elle est sortie, when it came out, je suis allé regarder. I went to look. Ma résidence, my PR, a été signée was signed le 12 juin, 12 June, 2009. 2009. Le 12 juin, 12 June, 2009. Je l'ai à la maison. I have it at home. Le 12 juin. 12 June 2009. 2009. The paper helped me. Dans beaucoup de choses. In a lot of things. Il y a des choses que nous sommes en train de prier. There are things that we are praying about. Quand Dieu te donne les bons papiers, when God gives you the correct papers, il y a certaines choses qui peuvent être résolues. Certain things will be resolved. Ta liste de prières peut diminuer. Your request of prayers can be reduced. Quelques années après, many years later, je fais ma demande de nationalité. I requested my citizenship. Et un jour, and one day, j'arrive, quelqu'un me dit, somebody said, c'était une erreur, il faut attendre 10 ans, tout ça, it was tout a mistake, ça, la loi, you have la to loi, wait la loi. 10 years because of the law. Ah, ok. Ok, je devais l'avoir depuis, mais j'ai négligé. I neglected it. Je rentre, j'oublie. I go home and I forget. Un jour, one day, je reçois un message. I receive a message. On me dit, it said, vos dossiers qui ont été rejetés, your paper that were rejected. Il y a eu des gens qui avaient amené le gouvernement au tribunal. Some people took the government to court. Ils ont trouvé qu'ils avaient tort. They found out there was on nous a demandé d'aller récupérer vos dossiers rejetés. So we have to go fetch or rejected. Nous allons encore file. Le process. So we're going to process them. Des choses qu'on avait déjà oubliées. Things that we have forgotten. Des papiers qui ont été déclassés. Papers put aside. Dieu a fait qu'ils rentrent les récupérer. God allowed for them to go back and fetch them. Et c'est comme ça que Dieu a résolu ce problème. That's how God resolved that matter. J'ai prié Dieu qu'il le fasse pour I toi. I prayed may God do it for you. Je prie Dieu de tout mon cœur. I pray God with all my heart. Et ce soir, c'est la prière que nous allons faire. Tonight, that's the prayer we're going si to do. Si tu aimes ce pays, if you love this country, et que tu veux y rester, and you want to remain, que Dieu te donne le meilleur papier. May God give you the best papers. Il a fait pour moi. He has done it for il us. Il peut le faire pour toi. He can also do it for you. Je l'ai vu de mes yeux. I've seen it with my si own eyes. Si tu doutes, le dimanche, je t'amènerai. If you're doubting, I can show you. Je te montrer ma résidence. I'll show you my PR. Signé le 12 juin. Signed 12 June 2009. Jour de mon anniversaire. On my birthday. Après ma prière. After my prayer. Tu as touché le cœur de quelqu'un. God heart, touched the heart of someone. On a libéré ma résidence. And released my PR. Que Dieu le fasse pour toi. May God do it for you. Que Dieu le fasse pour toi. May God do it for you. Que Dieu le fasse pour toi. May God do it for you.
Que ça soit un signe. Let it be a sign que Dieu a écouté ta prière. That God has heard your prayer. Que ça soit un signe. Let it be a sign que pendant ces 21 jours, during this 21 days, Jehovah a écouté ta prière. Jehovah has heard your prayer. Il te donne le meilleur papier de ce pays. May he give you the best papers here. Toi qui as fait plus de 10 ans. You've lived here more than 10 years. Plus de 20 ans. 20 years. Que Dieu change la loi. May God change the law. J'avais perdu espoir. We've lost hope. Je ne pensais plus I never think que j'allais avoir ma nationalité. That could have gained my citizenship. Or que je qualifiais depuis. Meanwhile, I qualified. Une négligence avait fait que je ne le suivais pas. A small negligence. Après presque 2 ans after 2 years que mon dossier était là-bas, my file was j'ai même renoncé à ma nationalité. I even renounced my je m'étais retrouvé pendant une année sans nationalité. So I found myself without any nationality. Des fois, il y a des gens qui ont vendu leurs problèmes à l'autre. Puisque on m'avait dit, because they told me, le Congo ne permet pas d'avoir deux nationalités. We are not allowed to have dual citizenship. Donc quand je suis allé faire ma demande, so I went to do my request. La personne m'avait mal conseillé. He did not give me a good il advice. Il dit avant que je prenne ton dossier, if I can take your paper, va renoncer à ta nationalité. Go renounce your nationality. Je suis allé, j'ai renoncé à ma nationalité. I went to renounce my nationality. J'ai amené le document. I bring back the paper. Je fais entrer le dossier. Ça prend the file une année. It took 1 year. Et puis ils reviennent pour nous dire, then they say, c'était une erreur. It was a mistake. Tu dois attendre encore 10 ans. You need to wait 10 years. Maintenant moi j'ai déjà renoncé à ma I've already renounced my Congolese nationality. Je suis resté sans nationalité. So I remain without nationalities. J'ai oublié ces choses. Forgot. Un jour, on m'appelle. One day they phone. Vos dossiers qui ont été rejetés. Your rejected file. On nous a demandé de reprendre ça. They've asked us to relook at them. Que Dieu le fasse pour toi. May God do it for you. En ces fins de prière. This end of prayer. Que Dieu le fasse on pour this toi. Last day of prayer, may God do it for you. Que Dieu t'amène à un niveau. May God take you to a place. Aucun pays du monde. No country in this world ne peut te refuser sa porte. Can refuse his door. Car le monde entier appartient à ton Père. Because the whole world belongs to your Father. Le monde entier. The whole world appartient à ton Père. Belongs to your Father. Tu iras là où tu veux aller. You go wherever you tu wanna go. Tu voyageras quand tu veux voyager. You travel whenever you wanna travel. Tu ne stresseras pas pour le visa. You won't stress out for visa. Car le monde because the world appartient à ton Père. Belongs to your Father. Y a-t-il quelqu'un qui veut cette grâce ce soir? Is there someone who wants that grace? Tu sais qu'il y a des gens. You know there are people. Quand ils doivent voyager, when they need to ils travel, ils ne stressent pas. They don't stress. Ils réfléchissent pas visa. They don't think visas and all that. Il y a des passeports qui peuvent entrer dans plus de 60 pays. There are passports you get access to more than 60 countries. Quand ils doivent voyager, regarde c'est you mal leur travel, temps. You just look est-ce at que your j'ai timing? Le temps pour do ça? Do I have time for traveling? Ils ne prient pas pour des visas. They don't pray for visas. Ils ne prient pas qu'on lui donne. Or for access to a visa. Que Dieu t'amène à ce niveau. May God take you to that level. Que Dieu t'amène à ce niveau. May God take you to that level. Tu dois être mobile. You need to be mobile. C'est très important. Very important. Tu ne peux pas être coincé à une you place be, pendant you des cannot années. Be stuck for one place tu for ne many peux years. Pas appeler ça bénédiction. You cannot call it a blessing. La Bible dit allez dans toutes les nations. Allez go dans into all nations. Cette parole quand il l'a libérée. When he released that word, il savait qu'il y a certaines nations qui demandent des visas. Nations request visa. Mais à cause de cette parole. But because of that word, aucune nation du no monde nation in this ne world te refusera le visa. Give you visa. Parce qu'un ordre a été donné. Because an allez order, dans toutes les nations. Was released, going to all nations. Si tu vas aller aux États-Unis, reçois-le. States, si tu vas aller au Canada, reçois cette Canada, grâce. Si tu vas aller en Europe, reçois when cette grâce. Europe, si grace. Tu vas aller en Afrique, reçois when ton I go visa. In Africa, receive that grace. Allez dans toutes les nations. Let's go in all nations. Nous sommes appelés we are called à être mobiles. To be mobile. Tu m'entends? Are you listening? Tu dois être capable you need to be able de bouger quand tu le to veux. Move wherever you want. La Bible dit the Bible says, allez dans toutes les go nations. Into all nations. C'est à cela que Dieu nous a appelés. This is how, to what God has called us. Dieu n'était pas appelé d'être coincé dans ce God pays. Did not call you to be stuck in this country. Même quand ton père est mort, tu ne even peux pas when aller. Your father died, you could not go parce que tu n'as pas les papiers. Because you don't have papers. Il y a des gens qui pleurent doublement. People are crying double. Il pleure son père qui est mort. Crying your father who passed away. Il pleure aussi comment je vais aller au-delà. Crying also how am I going to go there? Parce que je n'ai pas les papiers. I don't have the correct papers. Si Dieu est avec nous, if God is with us, que Dieu te donne la solution à ces problèmes. May God give you solution to that issue.
Je vous dis la vérité. Telling you the ta truth. Joie ne sera pas parfaite. Your joy won't be perfect. Si tes problèmes de papier ne sont pas if résolus. Your papers issues are not resolved. Est-ce qu'on peut prier pour ça ce soir? Can we pray for it? Je prie Dieu. Pray God, que les jeunes de cette église the youth of this church, soient en mesure d'aller où be ils able veulent to go wherever à they tout want, moment comme ils veulent whenever they wanna go. Je prie Dieu I pray God, que les adultes de ce pays the adult of this soient church, en mesure be able, dans des mois comme celui-ci in months like this, et dit, je veux aller en île Maurice il I part wanna go to Mauritius, I go. Je veux aller là où il fait chaud il part I wanna go where it's hot, they go. Qu'aucun système no system ne vienne à t'empêcher should d'aller dans les nations du monde. To go to nations. Parmi les promesses among the promises qu'il nous a données, he has given il dit, je vous donnerai he said, I'll give you les trésors treasures. De quoi? Les trésors. Le mois de septembre, Isaïe chapitre 45. Isaiah 45. Je vous donnerai I'll give you les trésors cachés des nations. Enfouis. Tu ne peux pas avoir accès you cannot have access au trésor des nations to nations si tu ne sais pas te déplacer. If you cannot move, Dieu va t'ouvrir les portes. God will open up tu iras dans les nations du monde. You go to the nations of the world. Tu visiteras le monde. You visit the world, et rien ne t'empêchera and de nothing le faire. Will stop you. Que je finisse avec un témoignage, si on prie. Yes. Just to boost your faith. Juste pour vous encourager. 2013. 2013. J'aimais beaucoup TD Jakes. I love TD Jakes. Je l'aimais beaucoup et je l'aime toujours beaucoup. I love that man of God. C'est parmi les hommes qui ont boosté he mon really amour pour Dieu. Boost my love j'ai beaucoup of God. Suivi cet homme. I've watched him. Ma maison est remplie à l'époque de DVD. We had a lot of DVDs j'ai of him. J'achetais beaucoup de DVD de we TD. Used to buy a lot of DVDs of him. Quand je suis sur Amazon, je suis sur son site. J'achète des matériels. We used to buy materials. Et un jour, je suivais un de ses messages. One day, I was listening to one of his messages. J'entends une voix qui me dit. And I heard a voice saying. Je veux t'amener là-bas. I want to take you there. Et je crus en ça. I believed. Je me suis dit. And I said. Je vais aller là-bas. I'll go there. Quelques mois après. Month later. J'ai eu une opportunité. I had an opportunity. J'ai eu un peu d'argent. Few money. Je me suis dit, je vais aller là-bas. I said, let me go. Je vais arriver dans cette église. I want to go to that church. Je vais faire ma demande de visa. I got to apply for visa. J'avais mes dossiers. I have all the files. Chaque jour, on me complique. Every day, they were complicating me. À l'ambassade américaine. To the consulate. Amen, c'est ci, amen, bring c'est this là. And that. Amen, c'est là. Complique, on complique. Issues after après issues. Deux ou trois mois, on me refuse de visa. After 3 months, the visa application was rejected. J'avais déjà acheté mon billet. I've already bought the ticket. Je rentre. Go back. Je me dis, ok, comme ils m'ont refusé le visa. Because they refused me visa. Parce que je devais aller à Dubaï avant d'aller là-bas. I'm supposed to go to Dubai and then je go dis, okay, there. Ok, ça va, je vais aller à Dubaï. Let me just stop in Dubai. Comme Dubaï m'a donné le visa, je vais because là-bas. Because I have got the visa to j'arrive Dubai. J'arrive à l'église. I go to church. Je vois Pasteur Achille. I see Pasteur Achille. Je lui dis, je viens de l'ambassade américaine, on m'a refusé le visa. He said I was not granted visa. Il dit, ok, on va prier. He said we'll pray. Pendant qu'on priait, while we are praying, il me dit, Dieu me dit. He said God is saying. Il va te donner ce visa. He give you that visa. Va encore reapply. Go reapply again. J'ai dit ah pas ça, je veux pas perdre mon argent. I don't want to waste money il dit, again. Je veux payer pour ton visa. He said, I'll pay for it. Va reapply. Go and apply. Quand je rentre à la maison, when I go home, je commence à penser à ce qu'il me disait. I think over what he said. Voici l'image qui vient dans ma tête. This is the picture coming in my mind. Je vois une maison. I see a house. Et je vois un enfant. And I see a child. Et cette maison avait beaucoup de chambres. The house has many rooms. Et quelque chose me disait. Something told me. Tu vois cette maison appartient à son père. Belongs to his father. Le domestique the worker ne peut pas empêcher à cet enfant stop this child d'aller dans n'importe to quelle go chambre to each room, in any room de cette maison of this house. Parce que c'est la maison de son père. Because that is father's house. Cet enfant est libre d'aller that dans quelle chambre is il veut. Free to go to any room he would like. Et du coup, ça tombe dans mon esprit. Then it fell in my spirit. Les États-Unis the States appartient à ton père. Belongs to your father. Si tu veux y aller, if you want to go, un consul ne peut pas refuser. An embassy cannot que forbid tu ailles dans une chambre to go to a room de la maison de ton père. In the house of your father. Ma foi est élevée. My faith was j'ai dit risen. Demain. Say tomorrow, je vais rentrer là-bas. I'll go back. Je vais apply encore. Apply again. Je fais mon application. Apply again. Je rentre là-bas. Go back. J'arrive. And when they,
Un monsieur me reçoit. A man welcomed me. Dit, mais tu étais ici hier. He said, but you were here. On t'a refusé le visa. It was rejected. Qu'est-ce que tu es venu faire? What did you come here j'ai to do again? J'ai dit, on m'a refusé le visa. He said, I was refused visa. Mais je ne suis pas visa, d'accord avec cette but décision. But I'm not okay with that decision. Moi, je dois y aller. I need to go. Il dit, pourquoi tu veux y aller? He said, why wanna go? Il dit, je veux aller assister à telle église. I wanna go to this church and so forth. J'aimerais aller prier avec eux. I wanna go pray there. Il me pose une ou deux questions. As to et dit, je te donne ton visa. And it was granted. Et depuis ce jour-là, and since that day, je comprends une chose. I understood one aucun thing. Pays du monde no country ne in peut this world me refuser le visa. Can refuse me any visa. Parce que tout pays du monde because all the countries in the world appartient à mon père. Belongs to my father. Et je suis fils de mon père. I'm my father's son. Je peux aller où je veux. I can go whenever I want to go. Mes wherever. Enfants sont là. My children ils are here. Entrent dans toutes les chambres de la maison. They can go to any rooms in my puisqu'ils in house. Sont enfants de leur because père. They are children of their father. Personne ne peut te refuser. Nobody can forbid them d'entrer quelque part. To go anywhere. Qui appartient à ton père. The place that belongs to your father. Ce soir nous allons prier. Tonight we're going to pray. Pour la capacité de bouger. To the ability to move. Je veux prier. Going to pray. Que Dieu te donne des visas de 10 ans, de 5 ans, give you visas of 10 years, 20 years. Tu vas commencer à bouger comme tu veux. You start moving the way you want. Aucun pays du monde no country in this ne world te refusera le visa. Can forbid you any visa. Tu iras où tu veux. You go whenever, ça commencera par ces pays. You start from this country. Ils te donneront le meilleur papier de ces pays. The best paper. Je prie Dieu de tout mon cœur que la loi soit changée pour let toi. The law be changed because of que you. La loi soit changée pour let toi. The law be changed because que of Dieu you. Te donne les meilleurs papiers may de God ce give pays. You the best papers of this tiens-toi land. Debout, nous allons prier. Please stand up, we're going to pray. Si Dieu est Dieu, if God is God, c'est dans des choses comme ça qu'on doit it le voir. It is in such things we need to experience it. Si Dieu est Dieu, if God is God, nous voulons le voir we want to see dans des choses comme ça. In such matter. Tu as 10 ans, 15 ans dans ce pays. 10 years, 15 years. Sans bon papier. Without any good papers. Des fois, tu as même honte. Sometimes you are ashamed. Tu ne sais même pas en parler. You cannot talk about it. Tes enfants n'ont pas de papier. Your children don't have papers. On est en train de prier ici. We are praying. Si l'immigration entre ici. If the immigration comes here. Dieu seul sait combien vont rentrer avec les frères de l'immigration. I don't know how many people will be taken by the immigration officer. Dieu, que cette chose s'arrête. Talk to God, say, Lord. Si tu vas là, genou, va à genoux. Just to go to your knees, si pray. Si tu seras debout, sois debout. You'll be standing. Mais je veux que tu pries de tout ton cœur. But I want you to pray with all your heart. De tout ton cœur. With all your heart. Ce soir, nous ne demandons pas l'argent. You're not asking for money. Nous demandons de bons papiers. You're asking for good papers. Je suis dans ce business. I am in this business. J'ai vu plus d'une fois. I saw more than once. Comment le diable? How the devil? Bloque les papiers des gens. Stop blocking je vous ai donné le témoignage de cette sœur. I give you a testimony of this on fait sister. Sa demande de résidence. We do the PR application. On rejette, on a écrit des choses qui n'ont pas de sens. They wrote something meaningless. Cette sœur m'a dit, the sister told pasteur, me, pasteur, à chaque fois que je fais une demande de each visa, time I do any application, on rejette toujours la première the fois. First one always been rejected. Dans mon bureau, on commence à prier. You start praying. Elle tombe, manifestation démoniaque. Demons on chasse le démon. The deux demon. Semaines après, two weeks later, on l'appelle. They should be called back. Viens prendre ta résidence. Come and take your paper. J'aimerais que tu pries. I want you to pray. Dis à Dieu. Say to God. Donne-moi les meilleurs papiers de give ce me pays. The best papers of this même land. Si tu vas quitter ce pays. Even if you're going to leave. Parce que tu as été dans ce pays. Because you've dwelt pendant here un temps. For a while. Demande à Dieu. Ask God. Le meilleur papier de the ce best pays. Papers. Je prie le Seigneur. I pray God. Que dans cette église. That in this church. Qu'il y ait des hommes et des there femmes. Be men and women. Qui auront 3-4 nationalités. Have 4 or 3 nationalities. Des gens qui auront 4-5 passeports. 5 or 4 passports. Parce que le monde entier. Because the whole world. Appartient à notre Père. Belongs to our Father. Reçois cette grâce. Receive that grace. Reçois cette grâce. I receive it. Reçois cette grâce. I receive that reçois grace. Reçois cette grâce. I receive tu it. Tu n'auras plus de problème you de won't visa. Have any issue with tu iras là où tu veux you aller. Go wherever you wanna tes go. Enfants iront là your où ils veulent aller. Go wherever they je wanna prie go. Pour cela. I pray for it. Au nom de in Jésus. The name of Jesus. Je déclare dans le nom de I Jésus. Declare it in the name of que Jesus. Dans cette église. In this church. Ceux qui sont sans papier. Those who have no recevront paper. Les meilleurs papiers. The best au papers, nom de Jésus, in the name of Jesus, au nom de Jésus, in the name of élève Jesus, ta voix, commence à prier, 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 give us the best papers.
Lord, give us the best papers of this land. In the name of Jesus. Lord, even if the law has to change, for me to have the right papers, oh Lord, I pray that you intervene. But I pray that you intervene, oh God. Au niveau des papiers dans ce pays, ouvre les portes éternelles. Touche l'immigration, Seigneur. Touche les départements, oh Dieu. Pour tous avoir des bons papiers. La Bible déclare, l'endroit où vous avez foulé la plante de vos pieds, vous voulez donner en possession. Nous prenons possession de ce pays. En premier moment, nous demandons. Papa, nous demandons les bons papiers. Nous demandons les bons papiers, Seigneur. Au nom de Jésus. Fixe nos problèmes de papier. Ceux qui sont, oh Dieu, avec les papiers des statuts de réfugiés. Oh Dieu, papa, amène-les dans la résidence. Amène-les dans la nationalité. C'est dans leurs papiers, il y a des complications. Seigneur, combat pour eux. Papa, défends leur cas. Défends les cas, oh Dieu, de ceux qui ont les masses libres. Défends les cas, oh Dieu, de ceux qui ont des papiers compliqués. Défends les cas, oh Dieu, de ceux qui n'ont pas de papiers du tout, oh Dieu. Papa, défends-les. Le Dieu qui défend les faibles, alléluia. Seigneur, viens intervenir. Viens intervenir, le Dieu de Joseph. Papa, tu es intervenu de la vie de Joseph dans un pays étranger. Papa, nous te présentons nos papiers. Nous te présentons notre statut. Nous te présentons nos cas. Seigneur, interviens. Ta grâce, Seigneur, que ta grâce fait un chemin. Que ta grâce touche les cœurs des gouvernements. Seigneur, toi qui changes les cœurs de rois, change les cœurs de présidents, change les cœurs, oh Dieu, de ceux qui prennent des décisions. Papa, fais-les tourner à ma faveur. Fais tourner les cœurs des autorités à notre faveur, qui prennent des lois à notre faveur, qui décident à notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qui décide en ma faveur, alléluia. Qui décide en faveur des réfugiés. Qui décide en faveur de sans papiers. Fais-nous trouver grâce. Fais-nous trouver grâce. Jésus, toi-même, tu t'étais réfugié en Égypte. Tu comprends notre cas. Tu comprends notre situation. Tu comprends notre situation. Touche les cœurs de roi en notre faveur. Touche la loi en ma faveur. Alléluia. Que nos papiers soient résolus. Que nos situations des papiers soient résolues. Aidez-nous à avoir des bons statuts. Aidez-nous à avoir la résidence. Aidez-nous à avoir la nationalité. Afin qu'on puisse aller dans les nations. À prononcer la bonne nouvelle. Vous avez dit d'aller dans les nations. Afin que les papiers ne soient pas une barrière. Que les papiers ne soient pas une limite. À ta parole d'aller dans les nations. Au nom puissant de Jésus. S'il y a un esprit, oh Dieu, qui combat les papiers de ma famille, oh Dieu, je le présente à la croix et je brise toute complication. Au nom puissant de Jésus, je brise tout géant, oh Dieu, qui veut me garder immobile, qui veut me garder un endroit et bloquer mes mouvements, oh Dieu, pour que je ne puisse pas avoir des bons papiers. Seigneur, je les détruis ce soir. Je les détruis ce soir. Tout géant, tout esprit qui manipule mes mouvements, oh Dieu, qui veut me garder lié, cloué dans un système. Je les détruis ce soir, au nom puissant de Jésus. Et par l'autorité que Christ nous a donnée, je libère mes papiers. Je libère les papiers de mes enfants. Je libère les papiers pour ma famille. Je libère les papiers de tes enfants. Papa, que tes serviteurs ne soient pas cloués à un endroit. Que tes serviteurs ne soient pas cloués dans un endroit où ils ne peuvent pas bouger. Alléluia. Donne-nous les bons papiers, Seigneur. Donne-nous les bons papiers, éternel Dieu. Nos yeux sont sur toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible. Toute personne qui est assise sur mon dossier touche son cœur. Tout le système qui doit décider sur mon cœur, touche-les, oh Dieu. Influence le système. Change le système de tout le système qui doit décider mon cœur, qui soit influencé par ta grâce, influencé par ta puissance, oh Dieu. Qui sont influencés par ta puissance, oh Dieu. Touche les systèmes, alléluia. Influence les systèmes à ma faveur. Change les cœurs de roi à ma faveur. Change les cœurs de roi à ma faveur. Alléluia. Alléluia. Je suis la solution dans ce pays, alléluia. Amen. Je suis un Joseph dans ce pays, alléluia. Amen. J'amènerai les solutions. Amen. J'amènerai la solution dans ce pays. Papa, donne-moi les bons papiers. Donne-nous les bons papiers, Seigneur.
Rabari. Élève bien tes deux mains. Comme quelqu'un qui veut recevoir. Like someone who's about to receive. Quand on demande d'élever les mains, when they ask you to lift up your hands, c'est un geste pour dire à Dieu, it is a gesture to say je dépends de toi. I totally depend on dans you. Cette situation. In this situation. Élève bien tes deux mains. Lift up your hands. Partout où tu es. Wherever you are. Je prie Dieu de tout mon cœur. I pray God with all my heart. Ceux qui étaient bloqués dans un système. Those who were stuck in a system. Qui les empêche de bouger. That's stopping them to move. Qui les empêche de voyager. Stopping them to travel. Parce qu'ils n'ont pas le papier. Because they don't have the correct papers. Je te libère au nom de Jésus. I release you in the name of Jesus. Israël était en esclavage. Israel was in slavery. Pendant plusieurs années. For so many years. Ils ne pouvaient pas sortir de l'Égypte. They could not go out of Egypt. Mais la Bible dit. But the Bible says. Un jour. One day. Dieu est allé. God went vers Moïse. To Moses. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Tu as vu la douleur qui est dans ton cœur. Tu ne sais pas bouger. You can't move. Tu ne sais pas voyager. You cannot travel. Ça fait des années. It's been years parce que tu n'as pas de bons papiers. You don't have the correct papers. Ce soir, tu es libéré. You are released. Tu es libéré. You are released. Tu es libéré. You are released. Je prie au nom de Jésus. I pray in the name of Jesus. Tout esprit diabolique. Any diabolical spirit. Qui bloque tes papiers. Blocking your papers. Qui bloque la résidence. Blocking your PR. Qui bloque ton permis. Blocking any pour que tu n'aies pas de papiers. So that you don't have the correct qui papers. Qui vont t'aider. That will help à you progresser dans ce to pays. Progress in si je suis un land, homme de Dieu. I am a man of cette God, chose va te lâcher. Je vis Dieu le faire. I see God doing je vis Dieu le faire. I see God doing it. Je prie au nom I de Jésus que l'Éternel te may touche the Lord touch you. Et que tes papiers soient may libérés. Your papers be released. Que ton visa soit libéré. May your visa be granted. Que tes papiers soient libérés. May your papers be granted. Cet esprit qui veut te bloquer the spirit want to pour que tu ne sois pas en mesure so de toucher. Be able to move. Je brise. I break it. Je brise. Lord, I break it. Je brise. I break that je spirit. Brise. We destroy je brise. That spirit. Je brise. It's broken. Un miracle va se faire. A miracle will occur. Il y a des gens, je sens que je dois prier pour eux par imposition de main. The people I feel like I need to lay my hand si on tu you. Sens ça dans ton cœur, toi you feel viens. It in your heart, come. Si toi tu le sens, viens. If you're feeling it, come. Rabakashé, kabaria, rendabarosé, kamakoso, kamareke. Que Dieu voie ta foi. May God see your faith. Que Dieu voie ta foi. May God see your faith. Je vois des gens qui pleurent pour ces choses. I see people crying over this. Je vois des gens qui pleurent pour ces choses. I see people crying over the papers. Je vois des gens qui pleurent pour ces choses. They are crying over the papers. Dieu m'ouvre les yeux ici. Je vois quelqu'un qui a eu beaucoup de combats. You had a lot of battles. Même dans ses études. Even in your studies. Toujours de combat. Always battles. Avant que tu aies quelque chose, before you get anything, il y a toujours un combat. There is always a battle. Est-ce que ce que je dis a un sens? Does it have a meaning? It makes sense. J'ai vu même le voyage. Even your trip. Il y a eu toujours de combat. There's always battles. Avant de venir, before you could come, toujours de combat. There's always issues. Avant d'aller à l'université, before you go to university, problème. Always issues. Combat. Battles. Maintenant encore, il y a un autre. Now there is another one. Je prie Dieu de tout mon cœur. I pray God all my heart. Que la main de Dieu te touche. May the hand of God touch you. Cette fille, this girl, elle sera un témoignage vivant. She'll be a living testimony. Reçois cette grâce. Receive the grace. Reçois-la. Receive the grace. C'est en public. It's in public. Devant toute l'église. In front of the whole church. Et ces choses vont se faire. That those things will be done. Les gens ont remarqué. People have noticed. Les gens ont vu. People have seen. Les gens comprendront. People will understand. Que ce n'était pas de la blague. It was not a joke. Dieu est en train de changer ta vie. God is changing your amène-moi life. De l'huile. Bring me the oil. Rabakashé, tabareshé. Kéliashé. Je vois la même chose. I see the same thing. Même dans sa carrière. Even in your career. Les opportunités viennent. Opportunities come. Mais ça va loin d'elle. It goes far away from je mets cette huile sur toi. I put this oil on la Bible you. Dit. The Bible says. L'onction brisera le joug. The anointing will break the yoke. L'onction. The anointing brisera le joug. Will break the yoke. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Cette malédiction va lâcher. The curse is broken. Ça va la lâcher. The curse will release. Il y a une malédiction dans la famille. There's a curse in the family.
Il y a une malédiction dans cette famille. Et ses enfants ne sont que des victimes. The children are only victims. Elle a beaucoup d'ambition. She has a lot of ambition. Mais elle ne peut pas aller plus loin. But she cannot go any que les limites qui sont établies dans sa more famille. Than the limit established si in je the suis family, un homme de Dieu, I'm a man of God, ces limites vont se briser. The limit will be broken. Ça va se briser maintenant. Be broken. Elle sera la première. She'll be the first one. Aller au-delà de ses to limites. Go behind, beyond the cet limits. Esprit va pousser un the cri. Will shout. Elle va la lâcher maintenant. Maintenant, now, je parle de maintenant. Speak about now. Je parle de maintenant. Saying now, ça pousse un cri. Shouting, ça lâche. And release you. Je vois les portes des nations s'ouvrir. I see doors of nations opening up. Je vois les portes des nations. I see doors of nations s'ouvrir à toi. Opening up to au you. Nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of au nom Jesus. De Jésus. In the name of ce démon va lâcher ton the passeport. Demon release your passport. Ce démon va lâcher ton passeport. Will release your passport. Il lâche ton passeport. The releasing your passport. Aidez-moi avec une serviette. Rumakashi, kabariashi, kariashi. Que ne sois pas distrait. Don't be distracted. Toi qui es resté, si ça te dérange pas de te tenir debout. Can you please stand up? Nous sommes au dernier moment de prière. We're in the last moment of prayer. Il y a des gens. There are people. On t'a bloqué dans ces pays. They've blocked you in this country. Les sorciers de ta famille t'ont bloqué of your family dans ces pays. Blocked you in this country. Pour que tu ne sortes pas. So that you don't move, que don't tu ne bouges out. Pas. You don't move. Mais Dieu va te libérer. But God is going to release. Dieu va libérer cette fille. God will release. Il y a trois choses que j'ouvre. The three things I'm opening. J'ouvre la porte du mariage. Open the doors of au marriage. Nom de Jésus. In the name of Jesus. Il y avait un esprit there was a spirit qui a combattu son mariage. Fought her marriage. Mais ce démon va pousser un cri maintenant. That she will shout. Ça va pousser un cri maintenant. Shout now. Je parle de maintenant. Speaking about now. Un esprit qui combat, qui bloquait le mariage. Spirit blocking your je vois marriage. Des dates qui changent. On met I cette date, on change. On changing. Met cette date. Out! Out! Il va pousser un cri. In the name of Jesus. Il va pousser un cri. In the name of Jesus. Tu la lâches. Tu lâches le mariage. Cette fois-ci, ça va se concrétiser. This time it will work. Nous allons bénir ce mariage we'll ici. Bless your marriage au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of au nom Jesus. De Jésus. In the name il n'y aura of Jesus. Plus de report. There won't be il n'y aura any plus de changement de date. There won't be any procrastination. Ce démon va pousser un cri. Pas. Allez, pas. Will shout and release. Il pousse un cri. Il pousse release. Un cri. Il pousse un cri. Release. Il part. And go in il the part. Name. Go in the name il of part. Jesus. In the name tu of vas Jesus. Dans les lieux arides. Tu vas dans les lieux arides. Into the tu lâches le mariage. Tu lâches le mariage. Tu lâches le mariage. Releasing her marriage. La deuxième des choses que je vois. The second thing I see here. Je vois une femme qui tenait son passeport. I see a woman holding a passport. Et je demandais le passeport, elle refusait. And asking for the passport back, she said no. Elle va donner ses passeports maintenant. She give back the passport. Elle va donner ses passeports maintenant. She give you back the passport. Ça va se faire maintenant. It be done now. Ça va se faire maintenant. Now in the name of Jesus. Ça va se faire maintenant. It be done now. Il y a quelque chose qui est sur elle. There's something upon her. Je voyais comme le feu. I see like fire. Sur tout son corps. Upon her whole body. Un grand feu. Big fire. Je récupère son passeport. I take back je récupère son visa. I take back a visa. Je le récupère au I nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. La troisième des choses. The third thing. J'ai vu son diplôme. I see her degree. Qui a été bloqué quelque part. Stuck somewhere. Pour qu'elle n'aille pas un bon travail. So that she doesn't get a good job. Fille intelligente. Very intelligent. Mais qu'elle n'aille pas un bon travail. She should not get a good si job. Si je suis un homme de Dieu. I am a man of God. Là où tu es. Where you are. La main de Dieu te touche. The hand of God is touching. Son travail est libéré. Your job is son released. 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 Travail est libéré. Your job is released. Ces démons vont pousser un cri va lâcher. Il va pousser un cri maintenant et ce démon va partir. Cette fille this lady viendra avec multiples témoignages ici. Should come with multiple testimonies. De la même manière the same way que toute l'église a vu, the whole church have seen, cette fille this girl reviendra ici lady should come avec with des témoignages. A lot of testimonies. Reçois ce travail. Receive reçois job. Ce travail. Receive that reçois job. Ce travail. Receive the job. Dieu fixe tes papiers. God is restoring your papers. Dieu fixe ton mariage. Restoring your marriage. Dieu fixe ton travail. Fixing the marriage. Tu le reçois ce soir dans la maison de Dieu. Receiving it in the house of God. Le feu
The fire. Le feu. The fire. Le feu sur son ventre. The fire upon your stomach. Elle a un problème avec son ventre. She has an issue in your stomach, in Je vois des douleurs atroces. I see very painful. Quand elle est dans ces temps-là du mois. During Je vois des douleurs hors du commun. Very strong pain. Mais c'était un démon. But it was a demon. Ce démon va partir, vous allez le voir. Come out. It will go in the name of Come Jesus. Out. Toi qui troubles son ventre, We are troubling her womb. Je m'adresse à toi. Come against you. Tu as été identifié, You've been identified. Tu as été localisé. You've been identified. Au nom de Jésus de Nazareth, In the name of Jesus Christ. Prends tes effets, pars. Take your things and go. Prends tes effets, pars. Take your stuff and go. Je libère sa fécondité. I release je womb. Libère sa fécondité. I release her womb. Come out. C'est un démon. Come out. Tu es libre. C'est un démon. Come out. Tu vas partir maintenant. 1, 2, 3. Merci Jésus. Le feu sur le ventre. Feu du Saint-Esprit. Le feu sur le ventre. Merci pour ton feu. Le feu sur le ventre. Merci pour ton feu. Le feu sur le ventre. Merci pour ton feu. Le feu sur le ventre. Merci pour ton feu. Le feu dans son ventre. Le feu du Saint-Esprit. Le feu dans son ventre. Viens fixer. Ces démons lâchent. Merci éternel. Il te lâche maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Ça va la lâcher maintenant. Ce qui concerne nos documents. 1, 2, 3, go. Envoyons le feu, Seigneur. Ça va partir. Nous envoyons le feu éternel. Tu vas partir. Sur tout dossier, papa. Tous les dossiers Je qui sont. J'élève la croix de Jésus. Nous élevons la croix, the cross of Jesus. Cette maladie qui a été envoyée dans ton corps, the sickness sent into your body, qui tire son origine de la sorcellerie, coming from witchcraft, l'Éternel est vivant, the Lord is alive, ça te quitte maintenant. He's leaving you. Jésus est venu vers toi. Jesus came toward you. Jésus est venu vers toi. Jesus came toward you. Jésus est venu vers toi. Jesus came toward you. Jésus est venu vers toi. Jesus came toward you. Laissez-la ne la touchez pas. Ramakashi, kabarecheke. Il y a des grâces There are graces qu'un homme de Dieu that a man of God peut donner à quelqu'un. Can give to someone. L'apôtre Paul dit, The Apostle Paul said, j'aimerais venir vers vous I would like to come toward pour you vous communiquer certains dons. To share certain gift. Élie a donné à Élisée Elijah gave to Elijah deux fois ce qu'il avait. Double portion. Élisée dit à Élie, Elijah je veux to que Elijah, tu me donnes deux fois I want you to give me double, la portion de l'onction qui est sur double toi. Of the anointing upon you. Il y a des choses There are things que Dieu donne aux hommes. That God give to men. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul il dit à Timothée, say to Timothy, garde les dépôts. Keep. Garde les dépôts. Keep what you have. Quand Dieu appelle un homme de Dieu, When God call a man il lui of God, donne quelque chose. Give him something. Et lève tes deux mains là où tu es. Lift up your hands. Mon cœur est ouvert. My heart is open. Quelque chose va se passer maintenant. Something will happen. Mon cœur est ouvert. My heart is open. J'ouvre mon cœur. Je te heart. Donne ce que Dieu m'a donné. Si tu as la foi, reçois maintenant. Si tu as la foi, que If tu sois dans faith, la salle ou devant, here, reçois-le. Receive it. Reçois-le maintenant. Receive it now. J'ouvre mon cœur. Je te heart. Donne ce qu'il m'a donné. Give you what he has dans given le domaine des papiers, papers, reçois le meilleur papier de ce pays. Reçois-le. 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 Receive the best. Ne sois pas distrait. Don't be distracted. Il y aura un transfert. There will be a transfer. Je te le donne. I give it to Je you. Te le donne. I give it to you. Mon cœur est ouvert. My heart is open. Je te le donne. I give it to you. Je te le donne. I give it to you. Je te le donne. I give it to you. Reçois-le. Receive. Reçois-le. Receive it. Reçois-le. Receive it. Reçois-le. Receive it. Reçois-le. In the name of Jesus. Reçois-le. I receive. I receive. Reçois-le. I receive it. Reçois-le. Aidez ses I frères. Receive it. Ramakashi. Reçois-le. Ramakashi. Que Dieu te donne cette maison. Rakamakashi. Reçois-le. 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 Par la foi. Reçois. Reçois. Je te libère de ce système. Qui t'empêche de bouger. Out! System, oh God, we are coming out of it. In the name of Jesus, Lord, break any limitation. Ces frères à la grâce. Any barriers, oh Lord. Ces frères à la grâce. This brother has a grace. Mais je vois, il sort d'une famille. Coming out of a family. Où il y a beaucoup de limites. A lot of limitation. Il a la grâce. He has the grace. Mais le système de sa famille. But the system of his family. A beaucoup de limites. Has a lot of limitations. If you believe. You be released.
Now, in the name of Jesus, it's released. Any limitations are broken. Any barriers are broken. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Toute limitation, toute limite dans sa vie, brisée au nom de Jésus. Commence à briser toute limite dans ta famille. Brise toutes les limites dans ta maison. Toutes limites qui contrôlent tes mouvements, qui contrôlent tes papiers. La Bible dit, si vous êtes obéissant, tu mangeras le meilleur de ce fruit. Déclare les meilleurs de ce pays. Déclare les meilleurs papiers de ce pays. Déclare les meilleures opportunités de ce pays. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne le meilleur. Que Dieu te donne les meilleurs papiers. Que Dieu te donne les meilleures opportunités. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Qu'aucun domaine de ta vie, ou qu'aucun domaine te soit refusé, qu'aucun accès te soit refusé dans ce pays. Au nom puissant de Jésus. Déclare-les qu'à tes résolutions répondra les succès. Papa, nous déclarons les meilleurs papiers. Nous déclarons les meilleurs documents. Oh Dieu des armées, on veut être à mesure de bouger. On veut être à mesure d'aller dans les nations et revenir. Propager ta parole. Déclarer, faire des disciples, oh Dieu. Avec les papiers que nous avons, Yahweh, on ne serait pas à mesure, à des limites. Therefore, God, I pray, I release my papers. In the name of Jesus, I release my papers. Hallelujah. Lord, give me the best. Give me the best, oh Lord Jesus. Lord, I use those papers to share the word. I use those papers, oh God, to go to the nations and tell the whole world about your love. Tell the whole world about how amazing God you are, oh Lord Jesus. I release my papers tonight. No more limitation. No more limit in my life. No more barriers in my life. Lord, I should be able to go wherever I go. I should be able to go wherever I want. I should be able to go and live wherever I want. Lord, I should be able, oh God, to travel wherever place I want. Lord, this land should not be a barrier. This land should not be a jail. Ce pays ne doit pas devenir une prison pour toi. Ce pays ne doit pas devenir comme une prison pour toi où tu restes bloqué. Tu ne sais pas comment sortir. Tu ne sais pas comment rentrer. Ça devient comme un Jéricho. Détruis ce système au nom de Jésus. Détruis ce système qui travaille contre toi. Détruis ce système qui travaille contre ta vie, contre ton mouvement. Au nom puissant de Jésus. Refuse que ce pays soit pour toi comme une prison. Refuse que ce pays soit pour toi comme un endroit où tu es coincé. Où tu es bloqué, ça devient comme un Jéricho. Brise, que ces murs tombent, que ces barrières tombent, que ces limites tombent. La Bible déclare, moi-même je marcherai devant de vous, au-devant de vous. Je briserai les barrières de fer, je briserai les barrières en bronze. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est barrière tout autour de moi, tout ce qui est comme barrière, tout ce qui est comme porte, tout ce qui est comme système qui me garde coincé, qui me garde, oh Dieu, immobile, oh Dieu, je viens les détruire ce soir, je viens le briser ce soir, au nom puissant de Jésus, je reçois mes papiers, alléluia, je reçois mes papiers, je serai à mesure d'aller au nord, je serai à mesure d'aller au sud, je serai à mesure d'aller à l'ouest, je serai à mesure d'aller au nom puissant de Jésus, plus de barrières, alléluia, j'ai accès au meilleur de ce pays, j'ai accès au meilleur de ce monde. Aidez-moi, Église. Plus d'une fois, more than once, je vois un esprit qui réclame notre sœur. I see a spirit claiming our sister. Elle est venue pour autre chose. She came for something else. Mais je vois un esprit de mort. But I see a spirit of death. On l'a essayé trois fois. They tried three times. Mais ils ont raté. But they missed. Tu peux m'aider à élever tes mains? Please help me to lift up your hand. Envoie tes mains vers elle. Stretch your hand toward her. Envoie le feu. And send fire. J'envoie le feu. Send the fire. Sur mamie. Upon my mom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. In the spirit of tu death. Pousses un cri. Broken. Tu la lâches. You are releasing. Tu la lâches. You are releasing. Tu la lâches. You are releasing. Tu la lâches. In the name of tu Jesus. La lâches. We break any tu la lâches. Of death. Any spirit claiming your life. We present le you feu. Blood. We present you le Jesus, in the le name feu. Of Jesus, we are sending fire and canceling any plan of death against her life. In the name of Jesus, in the name of Jesus, any spirit of death coming from ever system, we will destroy you. We rebuke you out of her body. In the name of Jesus, we rebuke you. We rebuke that spirit out of her life. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Soulevez-la. Soulevez-la. Sendere koshika mandere koshika mama.
The blood of Jesus is against you tonight. Toi, esprit de mort, le sang de Jésus est contre toi. The blood of Jesus is against you tonight. Ma parole contre leur parole. My word against yours. Si Dieu est avec nous. If God is with us. Le Dieu de mon appel. The God of our calling. Le Dieu de mes pères. The God of our fathers. Il m'a dit. He said. Quand j'étais jeune. When I was young. Il est un rocher. He's a rock. À chaque fois que je m'appuierai sur lui. Each time I will lay upon him. Tout ce que je vais demander. All that I will ask for. Il va me le donner. He'll give it to me. Je prie au nom de I Jésus. Pray in the name of Jesus. Que cet esprit de mort. Let that spirit of death. Sorte de ce corps. Release you. Je parle de maintenant. I'm talking about ça now. Ça va pousser un cri. To shout. Ça te lâche. And release you. In the name of maintenant, Jesus. Ça pousse un cri maintenant. Now. Maintenant. Releasing je you parle now. De maintenant. Now. In the name ça of va, Jesus. Ça va pousser un cri fort. Go! 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 Remakashi, kariyashinti, kariyarabadeshi. Cette fille ne mourra pas. She won't die. Je veux que l'Église déclare sur elle. She won't die. Elle ne mourra pas. We declare life. Mamie ne mourra pas. Speak life. Elle vivra. She will live. Elle vivra. She will live. Elle vivra. She will live. Elle vivra. And declare the wonders elle vivra. Elle racontera elle vivra. Les merveilles de elle l'Éternel. Vivra. Elle racontera esprit de mort. Les bontés tu de l'Éternel. Tu n'as pas de place. Elle vivra à la croix. Grâce à Jésus t'a vaincu. Nous déclarons la elle vie. Elle vivra. Nous déclarons la vie. Elle va vivre au nom de Jésus. Dans cette atmosphère. In the same atmosphere. C'est notre dernier vendredi. It's our last Friday. Nous sommes là pour chercher Dieu. We are here to seek God. J'aimerais demander. I want to ask. À ceux qui sont menacés. Those who are threatened. Par des esprits de mort. By the spirit of death. Si ça te dérange pas. If it's not too much. Là où tu élèves tes mains. Where you are, lift up your hands. Élève seulement tes mains là où just tu es. Lift up your hands. Dans les rêves. In dreams. Dans les pensées. In your mind. Quelque chose te dit constamment. Something keeps on telling que tu vas mourir. That you will die. Élève tes mains là où tu lift es. Up your hand where you are. Tes yeux fermés. Your eyes are closed. Répète après moi. Say after me. Dis Jésus. Say Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Délivre-moi. Deliver me. Des réclamations de la mort. Claims of death. Délivre-moi. Deliver me. Des réclamations de la mort. Claims of death. Délivre-moi. Release des réclamations de la any mort. Any claims of death. Délivre-moi. Release me. Des réclamations de la mort. Any shadow of death. Maintenant tes mains très bien élevées. Now your hands are high je veux lifted. Prier au nom de Jésus. I pray in the name of Jesus. Que le ciel soit ouvert. May the heaven be open. Que l'onction du Saint-Esprit may soit libérée. Of God be released. Là où il y avait l'Esprit de mort. Where there was the spirit of que God. Le Saint-Esprit localise may the Holy les gens. Spirit locate que you. Le Saint-Esprit localise may the Holy les gens. Spirit locate you. Que le Saint-Esprit localise may the Holy les gens. Spirit locate que people. La puissance de Dieu tombe the sur toi. Fall upon et you. Que cet Esprit te lâche. Ces esprits vont sortir. Les esprits de mort vont sortir. Ils sortent dans la salle. They're coming out. Ils vont lâcher maintenant. They will release you. Esprit de mort, tu sors. Spirit of death, you're coming out. Esprit de mort, tu sors. Come against you in the name of Jesus. Esprit de mort, tu sors. Come against you in the name of Jesus. Esprit de mort, tu sors. In the spirit of death, we esprit come de mort, you. Tu sors. We come against you in the name of Jesus. In the name of Chakabare Jesus. J'ai vu cet esprit ici. J'ai vu cet esprit. Ça va lâcher. Ça va lâcher. We are free in the name of Jesus. We will declare the wonders of God in this land of the living. Esprit we will mort, not die before our time. Oh, nobody in my family will die before the time. We declare long life. We declare long life in the name of Jesus. We shall live and tell of the goodness of the Lord. We shall live and tell of the wonders of God. On vivra, on mourra pas. Déclarera les merveilles de l'Éternel dans ce pays, dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Rien ne nous arrêtera de vivre. Rien ne nous empêchera de vivre. Rien ne nous empêchera d'entrer dans notre destinée. Rien ne va m'arrêter d'entrer dans ma gloire, à vivre les choses glorieuses. La mort ne m'arrêtera pas. La maladie ne m'arrêtera pas. Les lois établies, familiales ne m'arrêteront pas. Au nom puissant de Jésus, je vivrai longtemps expérimenter le bonheur. Je vivrai longtemps expérimenter la gloire. Je vivrai longtemps et je verrai les choses glorieuses. Je vivrai de Jésus. Je n'enterrerai pas cette fille. Au nom puissant je de Jésus. Je n'enterrerai pas.
Je n'enterrerai pas cette fille. Au nom puissant de Jésus. Peu importe l'alliance qui a été établie. Je vivrai je la refuse. Justifié. Je refuse. Glorifié. Je refuse ta mort. Nous sommes justifiés pour être glorifiés. Je refuse ta mort. Justifié pour être glorifié. Alléluia. Malgré amen, les condamnations, nous sommes justifiés. Amen. Malgré les lois établies, nous amen, sommes justifiés. Pour être glorifié, pour être glorifié, alléluia. Ne soyez pas nous chassons la mort. Le Seigneur est en train nous de changer le B. Justifié pour esprit être de mort, glorifié. Tu lâches cette fille. Au nom de Jésus. Esprit de mort, tu au lâches cette Jésus. Fille. Il y a un esprit dans cette famille. There is a spirit in that family. Qui réclame la vie et venant en life. In the name of Jesus. Chaque quelques années, quelqu'un meurt. J'ordonne à cet esprit de lâcher. That spirit to release you. Cet esprit va pousser un cri maintenant. Il va pousser un cri. Il va lâcher. Il va lâcher. Il va lâcher. Il va lâcher. Esprit de mon sang. Esprit de mon sang. Esprit de mon sang. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Released. On devait lui paralyser du côté droit. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu te localise. Que l'onction de Dieu te localise. Là où tu es dans la salle. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Any plan of the enemy is broken. Any agenda of the enemy against your life is broken. Cette fille sort de la réunion. Elle sort de la réunion de jeunesse. She came out of a meeting of the youth. Un frère va la déposer. A brother go drop her. Devant son immeuble. In front of a building. Un véhicule qui vient de nowhere. A car come from nowhere. Vient leur cogner. Come and hit them. Véhicule stationné. A parked car. Pendant que je priais pour elle. What I'm praying for her. Je vis un esprit de mort. I see a spirit of death. Qui réclame le claiming lives. Quelqu'un devait mourir ce mois de someone décembre. Was supposed to die in December. Si je suis un homme de Dieu. I am a man of God. Ce démon va pousser un cri. Il lâche. Any plan de la mort qui veut venir par travers il y avait quelque chose dans son ventre something in the womb qui devait seulement éclater just to burst et quand on allait l'amener à l'hôpital when they take her to the hospital, ça allait être trop tard could have been late. Mais il y a un Dieu dans cette there maison is a church, there's a God il y a in un this Dieu church. En ce lieu there's a God here. Ce démon va pousser un cri maintenant demon will shout. Ce démon va pousser un cri the demon will shout. Ça va pousser un cri he will shout. Ça va la lâcher. And release you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sors. Come out. J'ai vu une femme. I see a woman. J'ai vu une femme. I see a woman. Qui a contrôlé cette famille. Controlling that family. J'ai vu une femme. I see a woman. Qui bloque toute une famille. Blocking a whole family. Dans la sorcellerie. In witchcraft. Le Dieu de mes pères. God of our fathers, le Dieu de notre alliance, God of our covenant, qui nous a oint, who anointed us, pour libérer, to release les captifs, captives, au nom de Jésus, in the name of Jesus, ce qui était dans ton ventre, what was ça va sortir womb, maintenant, coming out now, je parle de maintenant, talking about right now, je parle de maintenant, talking about right je parle de maintenant, talking about right sors, out, sors, out, in sors, out, sors, sors, out, in the name of Jesus. On a fait souffrir ses enfants. Those children suffered. On a torturé ses enfants. They were tortured. Spirituellement. Spiritually. Le Dieu de mon appel. God of our calling. Tu ne mourras pas. You will not die. Reçois la vie. Receive life. Quelque chose va quitter son ventre something maintenant. Will depart from your womb.
Quelque chose va quitter son ventre. Something will leave your womb. Elle va se sentir léger. You'll feel lighter. Cette chose va monter. It will rise. Pendant que je parle, what I'm talking, ça va monter. It will rise. 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 Aidez-la, aidez-la, amenez-la dans le bas-fou, puisqu'elle va vomir. Rakabado shikarabari shikariyaraba, amenez-la dehors. Rekamare shikabari, amenez-la dehors. Rekabado shiki, que la main de Dieu soit sur elle. Toute chose qui l'a bloquée va sortir. Ne sois pas distrait. Don't be distracted. Que la main de Dieu soit sur toi. The hand of God be upon you. Et je libère ta vie. And I release your life. Je libère tes papiers. I release your papers. Tu reviendras avec un témoignage. You come back with a testimony. Toute l'église peut voir. The whole church will see you. Tu reviendras, you come back, avec un témoignage. With a testimony. Dieu te donne la résidence God permanente. Giving you PR. Ça sera un miracle. To be a miracle. Ça sera un témoignage. To be a testimony. Un témoignage. To be a testimony. Que tu raconteras à tes that enfants. You tell to your children. Que tu raconteras à tes that amis. Tell to your children. Dieu te donne le meilleur travail God de ce pays. You the best job. Je t'ouvre le port. God is opening up doors. Et tu témoigneras. You will testify. L'église se souviendra de ces jours. Will remember this day. L'église se souviendra the church de ces jours. Remember today. Dovie, viens. Je vis 3 ans d'errance. 3 ans. I see 3 years of turning. Qui n'était pas fruitful. That was not fruitful. Mais Dieu m'a dit. But God is saying. Prie pour ce jeune homme. Pray for this young man. Et fais-lui entrer dans une autre saison. Take him to another season. Si tu le crois. If you believe. Ça va se faire maintenant. It will be manifested. Quelque now, chose va se passer. Something will happen. Quelque chose va se passer. Something will happen. Je libère ta vie. I release your life. Maman, viens. Élève tes deux mains. Tu aimes Dieu. You love God. Mais j'ai vu les limites dans ta vie. I see limits, limitations. J'ai vu un esprit de pauvreté. I see spirit of poverty. Un esprit d'âme. Spirit claiming. Qui bloque. This blocking. Je te libère au nom de Jésus. I release you in the name of Jesus. Je libère tes finances. I release your finances. Je libère tes papiers. I release your papers. Je libère ton ministère. I release your ministry. Tu iras de l'avant. You'll go forward. Tu iras de l'avant. You'll go forward. Tu iras de l'avant. You will go forward. Que Dieu te bénisse. Papa Cam, c'est où? Demandez-lui de venir. Il est passé dans mon esprit. Ramakashi, Kariasi. Kariasi. Toi, je suis en train de voir des gens qui t'ensorcellent. Des gens vraiment qui t'attaquent dans la sorcellerie. C'était clair et visible. J'ai vu des gens qui la nuit tonight, viennent même jusque chez toi they even come to your pour t'ensorceller. To be with you. Mais si Dieu est avec nous, if God is with us, que le feu tombe sur may eux, the fire fall. Ils ne te verront plus. They won't see you. Ils ne te verront plus. They won't see you. Ils ne te verront plus. They will not see you. Ça va tomber sur lui. L'huile de Dieu. Ça va tomber sur toi. Reçois. Les meilleurs papiers. Reçois. Pendant que je priais, while I'm praying, Dieu m'a dit de prier pour toi. God asked me to pray for you. De prier pour l'accélération. To pray for speed. Et la vitesse. Speed, acceleration. L'accélération. Acceleration. Et la vitesse. And speed. Dans l'accomplissement. The fulfillment. Des choses que Dieu t'a dit. Of things God has spoken. Je prie Dieu de tout mon cœur. I pray God, oh my que heart, le feu descende. May the fire fall. Quelque chose va se passer. Something will happen. Je brise. And I break. Tout esprit in spirit, qui a mené le retard bring in delay, dans ta vie. In your life, je libère ta vie. I release your life. Je libère ton ministère. Release your ministry, je libère tes finances. I release your finances. Je libère tes papiers. I release your papers, que le Dieu de la Bible, the God of the Bible te donne le meilleur papier de ce pays. Papers of this land, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Roma caché. Caria sinti. I pray for speed. J'ai vu 7 ans. 7 years, où tu n'as pas avancé comme tu devais avancer. You did not grow the way you wanted. Il y a eu
un esprit there was a spirit qui t'a donné le retard. That brought delay. I pray for speed. Je prie pour speed. La vitesse. Speed. La vitesse. Speed. La vitesse. Speed. La vitesse. In your ministry. Dans ton ministère. In your career. Dans ta carrière. In your life. Dans ta vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Dieu me dit, God is saying, laisse-lui combattre pour toi. Let him fight for you. Que Dieu aille au devant de May toi. God go before you. Que l'Éternel aille au devant May de the toi. Lord go before you. Je t'ai vu comme Jacob. So you like Jacob. Tu as combattu avec Dieu. You fought with God. La Bible dit Jacob the resta Bible seul. Saying, Jacob remained alone. Et un homme est venu vers lui. And a man came to Il him. A lutté toute la nuit avec he fought cet homme. The whole night with Et that cet man. Homme avait brisé son, And sa he hanche. Broke his hip. Il avait changé son nom. And changed his name. Que Dieu change ton nom. May God change your name. Que Dieu change ton nom. May God change Je your te name. Donne un nouveau nom. May give you a new name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Élève tes deux mains. Que Dieu t'ouvre les portes. May God open doors. Les portes du nation. Nations. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Que Dieu bénisse ton ministère. May God bless your ministry. Cet enfant, This child, elle fera de grandes choses. She do great things. Avant 30 ans, Before 30, elle fera de grandes choses. She do great things. J'ai vu une étoile briller. I see a star shining. Ton étoile brillera. Your star will shine. Dans les ministères, In ministry, elle sera parmi should be among les prophétesses the prophetess que Dieu va utiliser dans that cette God église. Will use in this place. Je prie Dieu de la donner la sagesse. I pray that God give her wisdom. Puisqu'elle verra des choses très sensibles. She see things very sensitive. Des choses qui seront, things qui demandera beaucoup de sagesse. That will require wisdom. Je prie Dieu. I pray God. Lorsqu'elle arrivera à l'âge de se marier, When she get time to get married, qu'elle n'ait pas un problème de choix, she should not have a problem qu'elle with choice, qu'elle ne prenne pas la mauvaise décision, she should not take a bad decision, parce que les choses que Dieu a mis en elle, because what God has put inside son of mariage, marriage, c'est l'une des choses que le diable voudra one combattre, of the things the devil want to fight, pour qu'elle fasse un mauvais choix, for her to make a wrong choice, et s'écarte de son appel, and go far from her calling. Blesse, tu es une bénédiction pour des nations, you are a blessing to the nations, tu marcheras avec la grâce you de walk Dieu, with the grace of God. Là où ton père et ta mère ne sont pas arrivés, Where your father and mother could not toi get, tu arriveras, you will get there. Tu iras au-delà des limites, you go behind, beyond tu brilleras, limitation, you will shine. Tu brilleras. You will shine. Je vis un ministère ici, I see a ministry here. Je vis un ministère, I see a ministry. J'ai vu un ministère dans ce jeune homme, in this young man. Le diable a voulu détruire sa confiance en lui-même. The devil wanted to destroy her self-confidence. Mais il est appelé pour servir Dieu. But he's called to serve God. Il a une grâce avec les enfants. He has a grace with the children. Il travaillera beaucoup avec les enfants. He'll work a lot with the children. Il a une art de communiquer aux enfants he's qui est hors du commun. Art how to speak to children. Reçois cette grâce maintenant. Receive that grace. Reçois cette grâce maintenant. Receive that grace. Reçois cette grâce maintenant. Receive that grace. Je mets ma main sur toi. I put my hand upon S'il y a des hommes qui ont mis leurs mains sur toi If there are men that put hand et t'ont on communiqué you, des choses qui n'étaient pas de Dieu, communicated on worldly, je mets ma main sur toi. Worldly things. Je put te my donne hand ce que Dieu m'a donné. I give you what God gave me. Reçois-le, ça sera fort. Receive. Ça sera fort. Receive it. Ça sera fort. Slow. Ça sera fort. Yes, Lord. Ça va monter. It will rise. Ça va monter. It will rise. Ça va consumer to consume toute semence qui n'était pas de Dieu. Seed of the enemy. Consume by fire. Consumé par le consume feu. By fire. Consumé par le consume feu. By fire. Consumé par le feu. J'ai vu une question. I see a question. Et Dieu me dit, and God is saying, avant la fin de l'année, before the end il of te the donnera year, la réponse. God will give you an answer. Il te donnera la réponse. God will give you an answer. Quand tu es venu, when you came, on m'a dit, it said, tu as besoin de la direction divine. You need divine direction. Dieu m'a dit, God said, il va t'éclairer. He will release you. Il te dira quoi faire. He'll tell you what to do. Dieu veut que tu montes encore dans la prière. God wants you to rise in prayer. Les choses deviendront claires pour Things toi. Will become more clear. Dieu va te diriger. God will lead you. Il conduira tes pas. He'll lead your steps. Quand tu es venu, when you came, on m'a dit, they say, she need a sense of direction. Elle a besoin d'une direction. Elle a besoin de la direction divine. Divine direction. Dieu peut me dire
quoi te dire. God can tell me what to tell you. Mais Dieu te dira toi-même. But God will tell you yourself. Il va le faire. He will do it. Dieu parle tantôt d'une manière. God speaks in so many tantôt ways. Tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière. God speaks somehow. Tantôt d'une autre. In some other way. Je prie que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. I pray that your spiritual ears open up. May your spiritual ears open up. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Receive. Que ta sensibilité spirituelle your spiritual sensitivity soit restaurée. Be restored. Écoute ce que Dieu va te listen dire. Listen to what God will tell you. Écoute ce que Dieu va te listen dire. Listen to what God will tell you. Que Dieu te donne le meilleur papier de May ce give pays. Give you the best papers. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Maman, Dieu essuiera tes larmes. God will wipe your tears. Il essuiera tes larmes. God will wipe your tears. J'ai vu la provision de Dieu. I see God's provision. J'ai vu la bénédiction de Dieu. I see the blessing of God. Je t'ai vu venir à l'église. I see you coming to church. Je t'ai vu servir Dieu. I saw you serving God. Et tu as donné ce service comme une offrande. You gave the service as an offering. Tu as dit, je te donne mon service. I give you my service. Quand tu venais là, when you're coming, c'était ça ta prière. That was your prayer. C'était ça ton offrande. That was your offering. Dieu a agréé ton offrande. It has accepted your tu verras offering. La main de Dieu. You see the hand of God. Tu verras la main de Dieu. You see the hand of Dieu God. Dit, ne t'inquiète pas pour God tes said, enfants. Don't worry for your children. Il a écouté ta prière. God has heard your prayer. Dieu a écouté ta prière. God has heard your prayer. Que Dieu te donne le meilleur papier de May ce God pays. Give you the best papers. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Que Dieu t'ouvre le porte des May nations. God open up those of nations. Aucun pays ne te refusera le no visa. Land will refuse. Tu iras là où tu aimerais aller. You go where you want to go. Avant que tu quittes cette terre, before you leave this land, tu voyageras le monde. You will travel tu iras là où tu as toujours you voulu go aller. Where you always dream Dieu of est en train de changer les saisons. God is changing seasons. Et il te bénit. And he's blessing you. Woman of God. Femme de Dieu. Ton temps est arrivé. Your time has come. Ta saison est arrivée. Your season has come. Ce que tu as fait en secret, what you've done in secret, Dieu va l'exposer. God will expose it. Le monde saura qui tu es. The world will know who you are. Et dis-moi de te dire, you say to tell ton you, temps de prier est arrivé. Your time to shine has come. J'aimerais te donner quelque chose. I want to give you something. S'il y a quelque chose que tu as If vu en moi, something that you've seen que tu as aimé, that you love, que Dieu te le donne, may God give it to you. Va te le donner. He give it to you. Ramakashi kariyadabari radabaru sukubari ashinti. Kariyashinti. Are we done? Is there anyone else? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. We've reached the end. Nous voulons donner au Seigneur. We want to give our offering. Prends une bonne offrande. Take a good offering. Nous voulons donner à notre Dieu. We want to give to God. Nous voulons lui donner ce qu'il nous a donné. We want to give him what he has given us. On nous aide avec le panier. Can you help us with the basket? Nous voulons donner à Dieu. You want to give to God. What a wonderful time in God's presence. On passait des bons moments dans sa présence. What a wonderful time. Des bons moments. Time to remember. Des moments où on va se souvenir. Time to remember. On s'en souviendra. Demain nous avons deux mariages. Tomorrow we have wedding. À partir de 10h. From 10 o'clock. Le premier mariage ici à l'église. The first wedding here at church. J'aimerais demander à tous les membres de l'église d'être là. I want to request all the people of the church to be here. Pour soutenir nos amis qui se marient. To come and support the friends who are getting married. Soyons là à partir de 10h. Let's be here from 10. Et le deuxième mariage sera à Hatfield Church. And the second marriage will be at Hatfield Church. Juste après ici, nous allons y aller. After here, we go straight there. Le dimanche, nous n'avons qu'un seul culte. On Sunday, we only have one service. À partir de 8h30. From 8:30. Ça sera notre culte de célébration. To be our celebration service. Et nous allons clôturer le jeûne. And we close our fasting. Avec notre service de communion. With holy communion. Invite un ami, ne viens pas seul. Invite a friend, don't come alone. Sois là, attends parce qu'on n'aura qu'un seul culte. Be here on time because we only have one toi service. Toi qui es habitué à venir à 10h. You are used to come at 10. Tu vas trouver que la salle est remplie. You found the place full. Soyons là à temps. Let's be here on time. Et Dieu va nous faire du bien. And God will do us good. Le vendredi prochain, nous serons ici. Next week Friday, we are here. Jeudi, on n'aura pas culte en ces lieux. Thursday, we won't have a service. Nous aurons notre braille. We have our braille. Est-ce que jeudi prochain, on peut venir en jean casual? Friday. Friday, vendredi prochain. Let me make it a casual day.
Ceux qui ont des t-shirts de l'église, you can wear them. Vous pouvez porter les t-shirts de l'église. Ne viens pas avec des cravates ici pour faire les brailles. On va t'enlever ça ici. C'est au vendredi, nous sommes là pour le braille. Friday we coming casual. Christmas, on ne viendra pas ici. Christmas, we are not here. That's it for our announcement. Tiens-toi debout, nous allons clôturer. Please stand up, we're going to close. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Que Dieu te donne le meilleur produit de ce pays. May God give you the best of this land. Que Dieu te donne le meilleur travail de ce pays. May God give you the best job. Que Dieu te donne le meilleur mariage de ce pays. May God give you the best marriage. Que Dieu te donne le meilleur papier de ce pays. May God give you the best papers. Que Dieu restaure ta vie. May God restore your life. Qu'il restaure ta famille. May restore your family. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous disons amen. We amen. Entrez dans la paix du Seigneur. Go back in the peace of God. Entrez dans la paix du Seigneur. May go back in the peace of the Lord. God bless you all. Seigneur vous bénisse.